Bien, monsieur le préfet, mesdames, messieurs, je suis très heureux d'avoir le grand honneur d'ouvrir cette troisième journée d'un colloque dont je salue la pluridisciplinarité, pour employer un mot qui n'est pas taffien, mais qui se justifie. C'est tout à fait passionnant de voir que lorsqu'on s'intéresse au TAF, finalement, on mobilise absolument tous les savoirs. J'étais absent hier, je me rattraperai sur écran, j'étais présent à l'ouverture. Lorsque je vois le programme, au fond, nous avons parlé histoire, géographie, médecine, sciences, toutes sortes de savoirs, philatélie, nous allons en reparler aujourd'hui. Et puis, bien sûr, il a été tout à fait anormal de négliger la littérature et les arts. Les terres australes et antarctiques françaises sont aussi, et peut-être essentiellement, je vais me risquer jusque-là, des territoires qui ont inspiré. Qui ont inspiré alors des écrivains, des artistes, mais il me paraît légitime de se poser la question de savoir si même les motivations les plus sérieuses qui peuvent mener dans ces territoires des scientifiques, des médecins, des militaires, des hommes politiques, pourquoi pas, au fond, ne se nourrissent pas de représentations, de références très littéraires, d'un certain point de vue très futile, et peut-être au-delà de la futilité très fondamentale, parce que nous renvoyons à la façon même dont nous nous figurons la vie, le rapport de l'homme à un territoire, le rapport de l'homme au monde. Alors dit comme cela, c'est un peu prétentieux, donc je vais vite me défausser par une citation littéraire. C'est comme ça qu'on fait lorsqu'on aborde des choses un petit peu ambitieuses, on essaie de prouver qu'on n'est pas le seul. Le coupable que je vais vous livrer est un de nos grands écrivains, Valéry Larbeau, qui en 1933, dans une collection un peu pour bibliophiles, a publié ce livre, cet opuscule, devrait-on dire, un peu curieux, qui évoque, monsieur le préfet, un de vos prédécesseurs virtuels, le gouverneur de Kerguelen. Le titre même nous interroge, ou on aurait tendance à dire plutôt des Kerguelen, le gouverneur de Kerguelen. Le singulier peut signifier que Larbeau ne connaissait pas forcément très finement ce territoire, et en fait, il en est très peu question dans ce livre. Il n'y a pas d'ouvrage finalement moins savant que celui-ci à propos des TAF ou de l'archipel des Kerguelen. Et néanmoins, c'est un ouvrage, un texte tout à fait intéressant pour nous et pour la thématique qui est la nôtre aujourd'hui, terre rêvée, terre vécue. Larbeau, si on s'intéresse à son œuvre, a publié en particulier un récit, les œuvres complètes d'un poète imaginaire, Barnabous, dans lequel il est beaucoup question de territoires bizarres. Et en particulier, il met en scène un aristocrate qui est une sorte de collectionneur de micro-états. Et on suit les aventures de ce bonhomme un peu étrange va de Monaco à San Marin, de San Marin au Monténégro pour essayer de se faire décorer ou d'obtenir des grades et des dignités dans toutes sortes de micro-états. Alors, quel est le rapport entre San Marin, le Monténégro et Kerguelen? Au fond, a priori, aucun. Aucun, sauf que si on est, comme Valéry Larbeau, un rêveur, si on est un écrivain qui lit des livres, mais aussi qui lit des cartes, parce qu'on lit des cartes, c'est le bon terme en français pour indiquer qu'on consulte une carte, on fait plus que la consulter, on la lit. Si on considère que les cartes ne sont pas seulement des outils pour navigateurs ou des outils pour géographes, mais des sortes de grands calligrammes, ça ouvre toutes sortes de portes. Quand on regarde une carte, je dirais en naïf, en rêveur, en écrivain, avec surtout aucune intention de quitter le confort de son cabinet de travail, mais juste comme cela, par plaisir, qu'est-ce qui attire l'œil dans une carte? Qu'est-ce qui attire l'œil? D'abord, les choses qui ont une forme étrange. Et de ce point de vue-là, l'archipel des Kerguelen a tout pour satisfaire l'amateur avec son côté un petit peu ébouriffé, bizarre. Les territoires qui se singularisent par leur isolement, là aussi,
Kerguelen est tout à fait intéressant, de même que certains micro-États qui font faire des petites enclaves, des petits bouts de frontières un peu étranges dans des recoins, y compris de continents qu'on croit bien connaître. Et puis enfin, ce qui attire l'œil, eh bien, ce sont les étendues blanches, hein, ce qui était autrefois les terra incognitae, c'est-à-dire ces territoires inexplorés où il y a peut-être encore des choses à découvrir. Alors évidemment, dans les temps les plus modernes, ces espaces blancs ont fini par se restreindre, mais les zones polaires ou les zones circumpolaires continuent d'attirer l'œil par leur blancheur, par leur virginité relative. Et c'est tout cela, je pense, qui a amené Valérie Larbaud à se pencher sur l'archipel de ou des Kerguelen, et d'en tirer non pas un récit romanesque, mais un jeu littéraire. Le gouverneur de Kerguelen, c'est pas un roman, c'est pas une nouvelle, c'est un jeu. C'est un jeu dont voici la règle, qui tient en quelques lignes, je vous rassure, c'est pas une lecture très longue. Voici la règle du jeu. Vous avez eu le malheur de déplaire en haut lieu. Mais par égard pour vos mérites, on s'est contenté de vous éloigner en vous nommant pour 1, 3, 5 ans, c'est un maximum, gouverneur de Kerguelen, avec résidence à Port-Noël, chef-lieu de cette colonie. C'est un texte de 1933, port aux Français n'existe pas, port Christmas ou port Noël peut à la rigueur être considéré comme un chef-lieu, même si le terme évidemment est un petit peu exagéré et traduit soit une certaine ignorance de Larbaud, soit un humour à froid qui lui est assez caractéristique. Et il ajoute, après cette règle du jeu, ici, description succincte de Kerguelen. Climat entre polaire et désertique, montagne sélénique, ouragan permanent, comme nourriture, des poissons et des homards, et une espèce de chou géant, la seule végétation de l'archipel, dont la sève est excellente contre le scorbut dont vous serez menacé. Bon, pas très engageant, hein, comme fiche de poste, si je puis dire. Et donc, là, ce décor étant posé, le jeu, c'est tout simplement la vieille question de savoir quels sont les 20 livres que vous emporteriez dans une île déserte. Simplement, au lieu d'une île à cocotiers, comme on se la figure facilement, eh bien, il a imaginé une résidence plus rude, peut-être, plus froide, avec l'idée qu'on va se confiner au chaud dans une pièce rembourrée pour lire. Et comme, évidemment, le pactage est limité, il faut choisir 20 livres et c'est la règle du jeu. Et après avoir examiné comment lui-même résoudrait ce problème, il ajoute ceci. Grâce au livre, donc. Ainsi, nous serions délivrés de l'affreuse vision de l'île déserte avec son exil à perpétuité, sa pénurie de livres et sa stérilité intellectuelle. Kerguelen n'est pas l'enfer. Et les Français paient assez de taxes pour que la France loge décemment le gouverneur, installe le chauffage à vapeur dans sa résidence de Port-Noël et fasse mettre des bourrelets à ses doubles ou quadruples fenêtres. Il aura un bel uniforme entièrement doublé de petites chaufferettes électriques, une cave bien garnie, une salle de bain du plus récent modèle, une serre chaude, et même les serres chaudes de Maurice Maeterlinck, et il pourra s'alimenter normalement en faisant venir des provisions de Madagascar, ainsi toutes ces journées de Port-Noël seront comme autant de jours de Noël. Donc vous voyez comment en quelques lignes, finalement, une vision un peu austère, un peu menaçante de Kerguelen se transfigure en un Noël permanent, grâce à quoi ? Grâce aux livres. Grâce aux livres, les livres qu'on emporte. Les livres aussi qu'on lit pour préparer le voyage, et on voit qu'il a quand même lu un petit peu, qu'il n'est pas si ignorant que ça de Kerguelen, il a quand même entendu parler du chou de Kerguelen, Larbaud, qui à la base était peut-être assez loin de ses préoccupations immédiates. Et puis, en poussant un petit peu, on pourrait démontrer que l'histoire de Kerguelen et par extension des TAF, eh bien, c'est justement toute une histoire de mots, une histoire de livres, une histoire de textes. Au fond, le thème de notre matinée, terre rêvée, terre vécue, c'est déjà tout le drame de l'année 1772 et de ce 250e anniversaire que nous fêtons cette année. Pourquoi le chevalier de Kerguelen va-t-il naviguer dans des eaux si hostiles? Pourquoi est-ce qu'il y a une mission formelle et secrète qui lui a été donnée? Eh bien, parce que un siècle plus tôt, en 1663, un certain Jean Pommier de Courtonne a publié un texte tout aussi étrange que celui dont je vous ai donné quelques extraits, « Mémoire touchant l'établissement d'une mission chrétienne dans le Troisième Monde »,
Et cette notion de troisième monde, c'est une pure vue de l'esprit. Ce texte de 1663 donne une forme de crédibilité à une vieille histoire elle-même datant du début du XVIe siècle, la terre de Gonneville. Pommier de Courtonne était parent de Gonneville. Et donc sur un fantasme, sur une vue de l'esprit, il y aurait un continent austral où on pourrait vivre bien, où il y aurait des populations aimables, où on pourrait commercer avec toutes sortes de productions de la nature, une sorte de pays de cocagne. Eh bien, c'est uniquement sur ces vues de l'esprit, ces visions utopiques, que à Versailles, on rédige un ordre de mission et on envoie deux navires de la flotte pour essayer de trouver ce troisième monde, cette Australasie, cette France australe. Et au fond, le drame de Kerguelen, c'est qu'il a cru avoir trouvé cette terre rêvée et que 2 ans plus tard, eh bien, la terre vécue était tellement différente de la terre rêvée qu'il l'a payée très cher, comme vous le savez, par une forte disgrâce. Je passe sur ces frasques personnelles qui, au fond, ont justifié cette disgrâce, ont servi, évidemment, à le condamner. Mais sa vraie faute, c'est d'avoir montré que la terre rêvée n'était pas conforme, et que la terre vécue et la terre rêvée n'étaient pas identiques, au fond. Et depuis le début, donc, nous sommes dans cette tension-là. Alors, j'ai essayé de rassembler un petit peu, non pas pour en faire le catalogue, je laisse ce soin à ceux qui vont intervenir aujourd'hui, et à M. Bayon en particulier, qui va me succéder dans peu d'instants. J'ai essayé un petit peu d'avoir une vision d'ensemble de tous les auteurs qui ont écrit sur les Kerguelen d'une part, les Taft dans leur ensemble. Et dans un premier temps, j'ai essayé d'établir une classification. On pourrait assez facilement, et assez grossièrement, au fond, les regrouper en 4 grandes catégories. La première serait, justement, un peu dans la lignée de Pommier de Courtonne, les utopistes. C'est-à-dire que finalement, la littérature sur ces terres australes pourrait se rattacher à un mouvement de pensée qui est celui de l'utopie, hein, la terre d'ailleurs, la terre meilleure, la terre idéale, l'utopie ou utopie, eh bien, ça, c'est quelque chose qui a nourri un certain nombre d'écrits avant même que l'on découvre l'existence réelle de ces terres, ou peu de temps après, si je pense à Rétif de la Bretonne et à la découverte australe par l'homme volant. Vous avez une autre veine très différente, a priori, ce sont ce que j'appellerais les biographes. Tous les auteurs, alors là, sont plutôt des historiens, mais si on regarde de près, sont pas forcément des historiens très rigoureux, beaucoup ont donné une tournure un peu épique et très narrative à leur récit. Ce sont tous ceux qui ont raconté la geste du chevalier de Kerguelen ou d'autres navigateurs qui se sont risqués dans ces territoires. Et au fond, il y a finalement d'assez nombreuses biographies très différentes les unes des autres. Donc des utopistes, des biographes. Troisième veine, évidemment, à partir du moment où on commence à prendre pied sur ce territoire, ce sont les témoins. Et au fond, le chevalier de Kerguelen lui-même a laissé, pour se justifier, son propos n'était pas strictement littéraire, soyons justes, mais enfin, il a laissé des textes pour expliquer ce qu'il recherchait et ce qu'il a trouvé. Et après lui, et on peut penser aussi bien à Rallier du Baty qu'à Jean-Paul Kaufmann et à d'autres, tous ceux qui ont pris pied sur ces territoires et qui ont laissé un témoignage écrit, parfois sous une forme romancée ou très narrative, c'est tout à fait intéressant. Et là, on pourrait se dire, voilà, eux, c'est des témoins, c'est une catégorie à part parce qu'ils ont vraiment débarqué sur ces territoires. Et puis enfin, il y aurait, alors comment les appeler, les inventifs, les rêveurs, ceux qui, comme Larbeau, ont brodé, ont inventé, pour qui finalement ces territoires avaient l'avantage d'être lointains, d'être peu visités, donc ils risquaient peu d'être contredits par d'authentiques témoins, et qui ont inventé, on pourrait peut-être mettre Jules Verne dans cette catégorie-là. Mais si on commence à examiner de près, c'est une typologie extrêmement grossière et qui tient mal. Au fond, Kerguelen est à la fois un utopiste et un témoin. Et Jules Verne, que je viens de citer, certes, nous donne une vision assez onirique des Kerguelen au début du Sphinx des Glaces, dans le prolongement d'Edgar Poe, mais il est aussi l'auteur d'une histoire des grands navigateurs dans lequel il se fait biographe, entre autres, de Kerguelen. Donc on voit que finalement l'utopie, la biographie des découvreurs, le témoignage, la narration, la fiction s'entremêlent de façon inextricable. Et au fond,
ne faut pas, je pense, trop catégoriser les auteurs, il ne faut pas chercher à les diviser ou à les opposer. Moi, ce qui est peut-être plus fécond, c'est de voir ce qui les rassemble. Qu'est-ce qui peut attirer, que ce soit physiquement ou mentalement, des écrivains vers ces territoires ? Eh bien, pour moi, ce sont les mots. Au fond, quand on est écrivain, on cherche... Je ne cherche pas forcément des sujets, on peut écrire toutes sortes de choses, y compris sur des sujets rebattus. Mais ce qui est précieux, ce qui est délicieux quand on écrit, c'est d'agiter des mots, et surtout des mots nouveaux, ou des mots bizarres, ou des mots étranges, des mots qui ne sont pas très connus. Et au fond, parmi les multiples ressources des TAF, considère que ce sont des mines de vocabulaire. Des mines de vocabulaire. D'abord parce qu'il y a la toponymie, je ne développerai pas, mais bon, c'est tout de même... Je me contente simplement des Kerguelen. Bon, drôle de territoire où il y a un golfe du Morbihan et une baie d'Audierne, mais aussi une baie des Licornes, un lac du Tigre, c'est assez curieux, où on va avoir une péninsule Courbet, des toponymes qui sont liés à des personnages officiels et tout à fait sérieux, mais aussi un lac Zizi ou toutes sortes de fantaisies qui ont fini par entrer dans la terminologie et dans les cartes officielles. Et puis le nom même, en l'occurrence... Kerguelen, qui a fait fortune, qui a fait florès. Il se trouve que j'ai été amené récemment à en parler à pas mal de gens, que ce soit dans les médias ou dans la sphère politique. Je suis amusé de voir que tout le monde connaît le nom Kerguelen, mais le jeu, un autre jeu auquel n'a pas pensé Valérie Darbaud, c'est de demander aux gens où ça se trouve. Et entre ceux qui pensent que c'est un archipel au large de la Bretagne, ceux qui savent qu'il y fait froid, donc qui placent ça un petit peu à la place de Saint-Pierre-et-Miquelon, voire dans le Grand Nord, comme une sorte de reste de la Nouvelle-France, et ceux qui positionnent à peu près correctement, il y a évidemment de grandes variations. Mais le terme Kerguelen, et ce qu'il évoque, a fait peut-être la fortune littéraire de ce territoire, plus que, par exemple, Crozet, qui est un territoire tout aussi intéressant, mais le nom est peut-être plus franchouillard et peut-être moins propice à la rêverie. Et puis, au-delà de la toponymie, il y a le vocabulaire, ce que j'ai appelé le tafien. Et je remercie, puisque l'occasion m'en est donnée, eh bien, les TAF de m'avoir aidé à compléter un lexique que j'avais composé à partir de différents lexiques existants, plus de tout ce que j'avais pu noter dans mes lectures, qui était un lexique théorique, que l'administration des TAF a bien voulu m'aider à publier après l'avoir fait circuler, lu, complété par des témoins, des gens qui avaient vécu tout cela. Le tafien, c'est un vocabulaire très riche, et ce qui est amusant, c'est que s'il est employé oralement par tous ceux qui sont sur place, en mission, il intéresse les écrivains. Et si on lit l'Arche des Kerguelen, c'est amusant de voir comment Kaufmann raconte son initiation au tafien et comment petit à petit, il instruit le lecteur, comme si le lecteur était appelé lui-même à se promener au Kerguelen, et on va finir par employer les mots de tafien comme des mots du français le plus classique. Donc, les mots, des mines de mots qui nous amènent vers l'imaginaire, parce que les mots, ce sont des portes vers l'imaginaire, et c'est pourquoi, je ne serai pas plus long, les TAF, au-delà de leur réalité géographique, scientifique, c'est aussi précieux pour l'ensemble des Français. Je me rends compte, avec la publication de ce qui aurait dû être un ouvrage érudit, qu'en réalité, ça intéresse beaucoup des gens très éloignés des TAF à la base, qui ne savaient même pas forcément que ça existait ou ce que ça recouvrait. Et simplement, la puissance d'évocation des mots, les toponymes, les termes de tafien font que ça active tout un imaginaire qui est complexe et qui dépasse de loin celui des îles Kerguelen, de la Terre Adélie, Crozet, Amsterdam, Saint-Paul ou même les éparses. C'est un imaginaire qui englobe en réalité toutes ces terres que je décrivais et qui attirent l'œil du lecteur de cartes. Terres bizarres, terres qui ont des formes bizarres, terres blanches, terres isolées, éloignées, des gens qui s'intéressent à la Patagonie ou à la Nouvelle-Zemble vont s'intéresser aussi au TAF pour les mêmes mauvaises raisons qui vont faire finalement des alliés du travail qui est fait effectivement sur ces terres australes et antarctiques françaises. Voilà ce que je voulais vous dire un petit peu en prolégomène, et à partir de texte, à partir d'une expérience, à partir de cette curiosité qui est la mienne depuis longtemps sur ces territoires lointains. Et comme mon rôle n'est pas celui d'un conférencier, mais plutôt d'un modérateur et d'un animateur, je vais m'empresser
de passer la parole à mon voisin, professeur Bayon, donc qui enseigne la littérature, ou qui l'enseignait, qui est professeur de lettres, mais aussi qui a joué un rôle très actif dans notre diplomatie culturelle. J'ai cru comprendre, monsieur Bayon, que vous étiez également un Vernien de longue date. Donc je vais vous laisser développer et éventuellement aussi rectifier, corriger tout ce que j'ai pu lancer comme autant de lignes dans les eaux froides pour essayer de voir ce que, au fond, les différents districts des TAF peuvent évoquer universellement, chez des Français, chez des étrangers, dans la littérature, et même bien avant que nos TAF soient organisés administrativement. Merci, monsieur le modérateur, de cette introduction étendue qui allège le poids de mon intervention, de son introduction, puisque j'avais le souci justement du temps qui me serait imparti et je me sentais un peu débordé par la matière que je voulais partager avec vous. Vous avez en effet fixé le cadre général en termes d'écriture qui ont été produites par les territoires austraux, des différents types d'écrivains qui sont intéressés à la chose, des différents types de récits qui nous sont parvenus et des romans qui ont pu naître à partir de ces récits. Personne ne revient tout à fait de là-bas. Pour ceux qui y sont allés, il se passe là-bas quelque chose. Cela transparaît dans les interventions de ces jours-ci, parce que derrière l'exposé scientifique, on sent un attachement au lieu, et plus que ça, une fascination qu'on trouve dans les récits, dans les comptes rendus, dans les journaux de voyage, qu'on trouve dans tous les textes qui peuvent être produits par les carnets de bord des voyageurs, par les notations personnelles des scientifiques qui passent là-bas leur hivernage. Et pourtant, à les lire, on sent qu'il y a quelque chose de plus sans que ça ne soit jamais tout à fait précisé. C'est entre les lignes que ça se passe. Et j'ai voulu explorer cela un peu plus avant, et ce que je voudrais aujourd'hui, c'est vous proposer les réponses de la littérature par des auteurs dont la plupart d'ailleurs ne sont pas allés là-bas, mais la question n'est pas vraiment celle-ci, on le verra. Et puis, vous avez parlé également des cartes, c'est le but que je me suis fixé pour achever mon intervention d'aujourd'hui, parce que, à cause de leur charge symbolique que j'expliciterai pour conclure. Alors, que sont ces îles ? D'abord, un lieu d'exploration au cours de l'histoire qui montre qu'on est là-bas dans des terres incognita, qu'elles sont incertaines, elles sont aujourd'hui encore hors du temps, pas d'escale, pas de piste d'atterrissage. Toutes les tentatives de colonisation, de mise en valeur là-bas ont été un échec, très vite ou après quelques années. C'est un désert et Kerguelen n'a pas volé son nom d'île de la désolation. D'ailleurs, on ne fait que passer là-bas, on n'est là-bas qu'à titre provisoire. Sur le plan géographique, c'est un lieu qui est le plus éloigné de toute autre terre habitée. Je crois que c'est le cas notamment d'Amsterdam, raison pour laquelle on y a implanté des stations atmosphériques, parce que l'air devrait y être en principe le plus pur du monde. Elle est à l'écart des routes aériennes et maritimes. Elles ne s'inscrivent dans aucun système de circulation.
Elles échappent à l'uniformisation générale des espaces. Elles conservent donc tout leur caractère initiatique. Sur le plan du climat, on y trouve toute l'année, le mot est de François Garde dans un livre qui est paru récemment, un climat égal toute l'année de maussade fin d'automne. Les îles de la partie ouest de l'archipel Crozet sont les îles froides, qui n'ont pas volé leur nom, qui comprennent l'île aux cochons, les pingouins, les apôtres. Vent et nuages, brume, pluie, éclaircies, tempêtes alternent là-bas, brutalement, sans signe annonciateur. Sur le plan morphologique, ces terres sont battues par les vents. Le relief est brut, la géologie complexe, souvent chaotique, le sol est traître, on s'enlise dans des souilles. Les animaux sont peu nombreux, beaucoup d'oiseaux, peu d'espèces terrestres, mais toutes très familières. Les animaux là-bas viennent vers vous, chez nous ils s'écartent, là-bas ils viennent. Parmi ceux-là, l'albatros signale le premier, la frontière entre les deux mondes. Lorsqu'on descend vers le sud et qu'on passe vers le 32-35e parallèle, quelque chose comme ça, apparaissent les albatros. Je reviendrai sur ces albatros qui ont connu une assez belle fortune littéraire. Donc sur le plan d'exploration, on trouve là-bas une palette de couleurs modestes, des paysages qui se ressemblent, un labyrinthe, où l'on se perd et où on ne retrouve pas l'attrait qu'on prête ordinairement aux excursions touristiques. La vie là-bas est plutôt de l'ordre de la survie. Là-bas, donc, tout est autre, tout est différent, tout s'inverse. Même les cascades ne tombent pas vers la terre, mais s'élèvent vers le ciel. Les éléments liquides et gazeux se confondent, sublimés dans l'air humide, comme dit le même François Garde, et tout cela dans un hémisphère perçu lui-même depuis chez nous comme inversé. Aller là-bas, c'est donc embarquer vers un imaginaire que, précisément, ont exploité un certain nombre d'écrivains, notamment du 19e siècle, de l'époque romantique, qui était dans la première diapositive que vous avez pu voir. Alors, ces îles ont produit toutes sortes d'écritures. Outre les comptes rendus scientifiques, factuels et objectifs, ce sont des récits de voyages, de naufrages, souvent assortis de considérations personnelles sur la dureté des conditions d'existence. Parlons d'abord des Australes comme destination, assez rapidement, et des journaux jusqu'aux récits de voyage. Parmi les grands textes, pour ceux qui s'y intéressent, il y a le texte de Joseph Fuller, le maître de la désolation, qui a passé 35 ans là-bas, au Kerguelen, entre 1860 et 1895. Le remarquable navigateur, écrivain, voyageur, Raymond Roallier du Bâti, qui est allé là-bas pour cartographier et faire un petit peu d'huile d'éléphant de mer aussi, et qui a fait une description littéraire remarquable dans un récit qui s'appelle « Aventure au Kerguelen » et qu'on a retitré dans l'édition de poche « On peut aller loin avec des cœurs volontaires », ce qui dit beaucoup de choses. Edgar Robert Delarue aussi, un géologue qui parcourt ces territoires à quatre reprises entre 1928 et 1953 pour mener différentes études et qui a laissé un récit 2 ans aux îles de la Désolation en 1954. Il était là-bas avec son épouse. Je n'oublie pas, on n'en a pas beaucoup parlé alors qu'elle a beaucoup de mérite, c'est Gracie de Lépine. Elle aurait presque pu être là aujourd'hui, je crois qu'elle est très âgée aujourd'hui, mais elle a laissé sur les îles australes des ouvrages fondamentaux, les îles australes françaises, c'est le titre, et un autre sur des récits, et qui sont vraiment des ouvrages de référence qui rendent les territoires accessibles au plus grand nombre. Ouvrages évidemment épuisés.
On a parlé du journaliste Jean-Paul Kaufmann, qui est allé là-bas pour des raisons plus personnelles. François Garde, ancien administrateur supérieur des Terres australes, qui a voulu faire la marche à travers le Kerguelen du Nord au Sud, et qui a laissé un récit traversé de notations personnelles très édifiantes. Je veux citer aussi la navigatrice Isabelle Autissier, qui elle a fait plutôt une biographie littéraire sur Kerguelen, s'appelle Kerguelen, le voyageur de l'ombre, dans laquelle elle décrit précisément, très précisément, certains territoires. Elle dit « Au-delà de la plage, il patauge dans un marécage herbeux et escalade une butte. Aucun arbre, aucune fleur, au cœur de cet été n'égayait l'austérité. La pauvre verdure était par plaques recouverte de vieilles neiges. L'ensemble avait un air triste et froid, grandiose certes, mais à la manière d'un monument funéraire quand l'éclat du marbre lisse évoque l'éternité. » Je reprends cette citation parce qu'elle est la première qui évoque l'au-delà, la mort en l'occurrence, le marbre lisse qui évoque l'éternité. Ce sont des choses qu'Isabelle Autissier prête à Kerguelen. C'est son vécu qu'elle transpose dans l'histoire. Et elle arrive, elle aussi, à l'évocation de quelque chose qui dépasse l'île. Et c'est ça, tout doucement, vers quoi nous allons nous acheminer. Voilà quelques vues encore. Et j'en arrive avec ce pop-up de Moby Dick dans l'édition Gallimard pour la jeunesse, à une petite partie sur laquelle je passerai assez brièvement, qui est de regarder ces îles comme un décor pour des romans d'aventure. Il y en a eu un certain nombre, essentiellement par des auteurs britanniques. Il y a eu, par exemple, l'anglais Alan Sillitoe qui a écrit « Les aventuriers de l'Aldebaran », dans lequel les protagonistes partent en 1950 à bord d'un vieil hydravion en chasse d'un U-boat chargé d'or nazi coulé durant la guerre dans l'un des fjords des Kerguelen qui servirent effectivement de mouillage à certains de ces bateaux. Mais l'un des plus intéressants parmi ces ouvrages, c'est « Le sous-marin de la dernière chance », paru en 1998 et dû à la plume d'un autre Britannique, Patrick Robinson, qui démarre et conclut l'action de son roman, dans le cul-de-sac d'un profond fjord de la baie Blanche, au nord-est de Kerguelen, où Taïwan a établi une usine nucléaire secrète dont la Chine entend venir à bout au moyen de l'un de ses sous-marins de la classe Kilo, qu'ils viennent d'acquérir auprès de la Russie. Mais l'US Navy veille, ce qui donnera lieu à une poursuite haletante dans les profondeurs. Pourquoi Kerguelen ? Parce que l'île est à l'écart de tout, qu'il n'y a personne. Voilà ce qu'il dit. Aucun navire ne croise au large de cette terre rocailleuse, oubliée de Dieu pendant des mois et des mois. Aucune ligne aérienne ne le survole. Aucune puissance militaire connue n'a jamais montré le moindre intérêt pour l'endroit. Même les satellites américains capables de tout voir ne prennent pas la peine de jeter un coup d'œil sur cette région sauvage et escarpée. À part ces énormes colonies de manchots royaux et véritables plaies, des lapins en pagaille, les Kerguelen pourraient aussi bien se trouver sur la Lune. La Lune dont parlait d'ailleurs aussi Valérie Larbeau, sélénitique. L'auteur s'est documenté assez précisément sur la nature, aussi bien que sur la géographie des lieux. La recherche d'une équipe scientifique américaine disparue donne lieu dans le roman, qui est assez long, il fait bien 500 pages, à un tour complet de l'île, qui est précisément décrit depuis la Cap George au sud-est, puis au long de la côte sud jusqu'à la péninsule ralliée du Bati, avant de remonter par l'ouest et de contourner le Cap d'Estaing à l'extrême nord, pour aboutir dans les fjords de la péninsule Laurentais où se conclura l'action. J'ai noté aussi dans ce texte une fréquence inhabituelle d'adjectifs exprimant la terreur et l'effroi. Les personnages frissonnent dans cet environnement. Ils sont tourmentés,
éprouvent un sentiment de malaise. Les parages leur paraissent meurtriers. Ils les contemplent avec effroi. La carte montre l'une des plus effrayantes côtes du monde, parsemée d'îles déchiquetées sur lesquelles il est impossible de survivre. Semée sans doute des squelettes, des navires et des équipages qui, au cours des siècles, avaient eu la malchance de rencontrer des conditions climatiques épouvantables. Un lieu où la vie naturelle semblait inimaginable pour qui n'était ni une mouette ni un pingouin. Mais c'est le temps est venu de rentrer maintenant dans la littérature pour évoquer cet ailleurs sur lequel s'ouvrent les australes. Je commencerai par quelqu'un qui est allé là-bas, qui est un des très grands écrivains voyageurs du siècle, qui est Joseph Conrad, et qui a écrit dans ses souvenirs maritimes « Le miroir de la mer » paru en 1906, sous-titré « Souvenirs et impressions issus de marins ». Il évoque sa navigation entre Amsterdam et Kerguelen. Sur un navire faisant route vers les mers australes au début d'un long voyage, la traversée des domaines des Alizés est caractérisée par un relâchement de la tension et de la vigilance des marins. Mais bientôt apparaissent les coups de vent qui ont chacun leur physionomie. Certains s'accrochent à vous en une détresse inconsolable. D'autres reviennent sur vous avec une sauvagerie et une persévérance surnaturelle, comme des vampires déterminés à sucer la dernière goutte de votre force. D'autres encore ont une splendeur de catastrophe. D'autres ont la sévérité d'un visiteur de l'au-delà. Nous voilà invités à passer dans l'au-delà, et le premier à l'avoir fait, c'est Edgar Poe, avec les aventures d'Arthur Gordon Pym, paru en 1838. The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket, titre véritable, traduit en français en 1858 par Baudelaire, hein, qui a traduit l'essentiel de l'œuvre de Poe, qui présente l'escale à Christmas Harbor, donc au nord de Kerguelen, durant près d'un mois en 1827 de l'équipage de la Jeanne Guy qui a sauvé les deux principaux protagonistes du roman, décrivant précisément le havre naturel et l'arche typique qui était encore à ce moment-là debout. Poe adopte un point de vue narratif très original qui, d'emblée, va jeter le trouble sur le lien entre la réalité et la fiction. Son héros, Arthur Gordon Pym, a vécu dans les mers des hautes latitudes des aventures si merveilleuses, dit-il, que ceux à qui il les a contées à son retour ne pouvaient que l'inciter à les écrire pour les partager. Ce héros, devenu narrateur, craint cependant que son récit ne paraisse trop invraisemblable auprès de ceux qui ne connaîtraient pas son goût naturel pour la vérité. Il décide alors de confier la première partie de son manuscrit à l'auteur, Edgar Poe, en l'autorisant à la publier sous son nom, sous le manteau de la fiction. Et de fait, le public subjugué ne croit pas que de telles aventures aient pu être inventées, ce qui rétablit la vérité du récit, authentifie son narrateur, car le nom d'Arthur Gordon Pym a été inversé. Donc il y a une confusion totale entre le héros, le narrateur, l'auteur, pour authentifier un récit qui est complètement imaginaire. Suite une errance maritime pleine de péripéties vers le sud, un sud toujours plus lointain, jusqu'au 84e parallèle, dit-il, avant que le récit ne s'interrompe sur les mots. Et alors, nous nous précipitâmes dans les étreintes de la cataracte où un gouffre s'entr'ouvrit, comme pour nous recevoir. Mais voilà qu'en travers de notre route se dressa une figure humaine voilée, de proportions beaucoup plus vastes que celles d'aucun habitant de la terre, et la couleur de la peau de l'homme était la blancheur parfaite de la neige. Les thèmes vers lesquels on se dirige
la blancheur en particulier commence à apparaître dans cette littérature qui est née à la faveur du passage des Australes vers un sud incertain et d'ailleurs non mentionné, non cartographié. La fin inachevée, évidemment fictive, c'est un faux inachèvement, laisse supposer la disparition des héros dans l'inconnu, et c'est précisément cela qui sera le départ du roman de Jules Verne, Le Sphinx des Glaces. Voilà. Dont le 175e anniversaire, je l'ai appris hier, a été honoré l'année dernière par l'émission D'un timbre des Terres australes. Alors Jules Verne, l'essentiel de son œuvre, Les voyages extraordinaires, extraordinaires, hein, le mot dit déjà tout, il n'est pas surprenant qu'il ait situé certains de ses romans par là-bas. Il les visite une première fois avec Les enfants du capitaine Grant, paru en 1865, donc relativement tôt dans sa carrière, dont le périple des enfants donc à la recherche de leur père les conduit, après un passage à Tristan d'Acuna, à faire une brève escale à Amsterdam, dont ils relèvent l'apparence fort attrayante, mais sa faune et sa flore n'auraient pas rempli l'in-octavo du plus prolixe des naturalistes. Voilà ce qu'il dit. D'ailleurs, vous voyez sur l'illustration d'Edgar Rioux pour Les enfants du capitaine Grant que cette excursion à Amsterdam ressemble plutôt à une promenade de santé, hein, dans des conditions tout à fait légères. Les choses se creusent, s'approfondissent avec Le Sphinx des Glaces. Quand Jules Verne, reprenant le fil de peau pour la trame de l'intrigue de son intrigue, l'intrigue de ce roman paru en 1897, c'est-à-dire beaucoup plus tard, mais dont l'action se situe en 1839, c'est-à-dire au lendemain immédiat des aventures d'Arthur Gordon Pym d'Edgar Poe, il situe les trois premiers chapitres aux îles de la Désolation, où son héros, le minéralogiste américain Georling, que voilà, avant d'embarquer en direction du sud à bord de la goélette Albran, passe les mois de juin à août 1839 à Christmas Harbor. Sans s'y être jamais rendu, le romancier français en fait une description géographique précise et y établit une fictive colonie permanente et cosmopolite d'une vingtaine d'âmes autour de Fenimore Atkins, patron de l'auberge au cormoran vert que vous pouvez voir, vivant de la relâche saisonnière des navires foquiers et baleiniers anglais et américains. Il évoque également les pics de Kerguelen, au pied desquels le héros a déposé une bouteille renfermant une lettre cachetée, là évidemment dans le récit et dans la fiction, indiquant que la piste à suivre se dirige évidemment vers le sud, vers le Grand Sud. Edgar Poe et Jules Verne ancrent avec... Alors là, j'avais encore deux illustrations, voilà, de Georges Roux pour Le Sphinx des Glaces. Voilà. Ils sont tout à fait dans la tradition des éditions Hetzel bien connues. Edgar Poe et Jules Verne ancrent avec la suite de leurs deux romans Port Christmas dans l'imaginaire collectif. Comme une des portes d'entrée vers le Grand Sud, l'océan austral et le continent antarctique, mais ils ne le font pas de la même manière. Poe, dont un critique aurait dit que l'imagination chez lui est la reine des facultés, une faculté quasi divine qui perçoit les rapports intimes et secrets des choses, les correspondances et les analogies, est un romantique visionnaire. Avec la navigation vers les pôles, émerge progressivement la dimension mythique du récit, qui se conclura avec le Sphinx. Mais le mythe, avec l'inachèvement voulu du roman, reste opaque. La dimension suprahumaine de la figure humaine voilée, qui apparaît au terme du livre, se situe au-delà du monde sensible, et aussi bien du monde imaginaire qui la suscite. Elle appartient en propre à un au-delà inaccessible. Pour sa part, Jules Verne,
qui tire l'origine de son roman de la vision romantique d'Edgar Poe, est aussi l'héritier de la révolution industrielle dont les valeurs le poussent à ancrer son approche dans un système rationnel. Errant dans les brumes, les héros survivants ont dépassé le pôle et se rapprochent irrésistiblement, pour des raisons qui leur échappent encore, d'un massif qui ressemblait volontiers à un énorme sphinx. Ils ne tardent pas à découvrir le phénomène magnétique qui a attiré les pièces métalliques de leurs canaux, créé des orages magnétiques et des aurores australes, et surtout qui retient au massif, par le canon rouillé du fusil qu'il portait en bandoulière, le cadavre de Pym enfin retrouvé. Le délire visionnaire qui conclut le roman trouve sa source et sa justification dans une cause physique, rien de plus. Il dit « Non, c'était des faits physiques dont nous venions d'être témoins, non des phénomènes imaginaires. » Et pourtant, l'énigme du sphinx demeure, car même chez Jules Verne, la science n'explique pas tout. Encore un petit peu de temps. Tous ces thèmes se retrouvent dans un texte, je dirais un texte absolu de la littérature, de l'histoire mondiale, universelle, rédigé par celui que Camus nommait l'Homère du Pacifique, qui est Herman Melville, dans l'immense Moby Dick. Moby Dick ne passe pas par là, il passe, il évoque vaguement le passage au nord de Crozet. Mais ce qui est intéressant, c'est que Moby Dick reprend la totalité des thèmes qui sont apparus dans les romans de les romans visionnaires de l'héritage romantique, à savoir Poe et Jules Verne. C'est un roman de chasse à la baleine, comme chacun le sait, qui donne lieu à un courant romanesque comportant les ingrédients idéaux. Durée du voyage, éloignement, danger, dans une nature hostile, capacité humaine extraordinaire, sentiment de communauté, suspense, etc. Suspense quant à l'issue de la pêche. Mais avec Moby Dick, on passe dans une autre dimension, de la même manière qu'on passe dans une autre dimension de la pêche à la baleine avec cette gravure de Yann d'Argent, l'attaque de l'Essex, à celle-ci de Rockwell Kent dans Moby Dick au chapitre 56. On change d'échelle. Le Pequod, qui est le navire sur le navire baleinier, ne fait que passer au large des Crozets, mais toute la thématique est donc présente. Des baleines en peinture, en ivoire, en bois, en fer blanc, en pierre, mais aussi dans les montagnes et dans le ciel. C'est un roman éminemment symbolique, comme disait Georges-Louis Borges, de dimensions titanesques, comme le cachalot assimilé à de nombreuses reprises dans le roman même à un Léviathan. On est tout de suite donc dans une dimension mythique, universelle, et d'ailleurs largement inspiré par les textes bibliques. Pour écrire ce roman, Melville se disait habité par son sujet. Il disait ne pas écrire en anglais, mais en outlandish, la langue du grand ailleurs, car il faut une langue à part, comme dans les terres australes. Vous l'avez bien noté. Le capitaine Achab est le moteur du roman, auquel il insuffle sa haine pour la baleine blanche qui lui a fait perdre sa jambe remplacée, comme vous le savez, par une béquille en ivoire de cachalot. Bon, peut-être que j'avance un peu. Voilà, le capitaine Achab. Tendu vers un seul but, il réussira à faire partager son obsession à l'équipage dans un monologue stupéfiant, un chapitre intitulé « Gaillard d'arrière, contre la raison et contre la volonté de son second ». Passage qui est d'une telle force que je ne peux que vous en lire un court passage. « Qui peut prétendre me dominer ?
détourne tes yeux. Le regard ahuri d'un imbécile est moins supportable que la prunelle incandescente d'un démon. Ah, tu rougis, tu pâlis. L'équipage, mon garçon, c'est l'équipage. Ces hommes, ne vois-tu pas qu'ils ne forment avec Achab dans cette histoire de cachalot qu'une seule et même personne? Et effectivement, il parvient à insuffler à tous sa passion qui éloigne totalement de la mission du voyage qui est de pêcher la baleine pour amener de l'huile, transformée en obsession de la chasse dirigée vers une seule baleine blanche de surcroît, Moby Dick. Et les voilà désignant le but de cette quête en partage avec l'équipage et contre l'avis de son second qui incarne un petit peu la raison dans le roman. Mais c'est un roman de la folie. Le cachalot est lui un symbole indéchiffrable. Il parle à un moment donné à la tête d'une baleine qui a été chassée dans le cours du voyage. Et on verra que son dialogue avec cette tête rencontre directement l'énigme du sphinx et de l'au-delà qu'on avait trouvé chez Poe et chez Jules Verne. Il dit à la tête de la baleine qui pend sur le flanc du navire, « Parle, ô tête énorme et vénérable, parle, ô tête puissante, et livre-nous le secret qui est en toi. De tous les plongeurs, tu es celui qui a plongé le plus profond. La tête sur laquelle brille à présent le soleil méridien a vu les fondations du monde. Là où rouillent des flottes et des noms dont nulle archive n'a gardé la trace, là où pourrissent des encres et des espoirs inexprimés, où la cale meurtrière de notre frégate terre est lestée des ossements de millions de noyés, c'est là, dans cet horrible royaume des eaux que tu avais élu domicile. Tu en as vu assez haut tête pour fracasser les planètes et faire d'Abraham un mécréant, et nulle syllabe ne sort de ta bouche. » Achab, quasiment mystique. Annoncé par son souffle spectral, le cachalot reste invincible, invaincu, inconnaissable. On n'arrive pas à traverser la frontière vers cet au-delà insaisissable. On ne peut y trouver qu'une impression de froid, de solitude, de désolation, comme dans un monde expirant, qui est noyé dans une impénétrable blancheur. Chez Poe et Jules Verne, le lieu de cet avènement est le sud dont les îles marquent la limite. Chez Melville, il est partout, comme l'humanité qui symbolise le navire, comme son combat contre le mal, comme la quête. Le Pequod court les mers, il ne fait que passer au large de Crozet, à la poursuite de la baleine, mythe insaisissable. Pour j'ai un petit problème de diapo là. Bon, tant pis. Est-ce que je me serais trompé? Pardon de m'emmener un tout petit peu dans mes papiers. Pour chasser cette baleine, il faut un sauvage, quelqu'un qui puisse être en prise directe avec cette nature qui dépasse l'entendement, qui dépasse les limites de ce qu'on peut explorer. C'est un sauvage qui chasse nu, d'origine indienne, qui n'est originaire d'une île du Pacifique qui n'existe, Cocoroco, dit-il, qui n'existe sur aucune carte. Chez Edgar Poe, c'est un autre sauvage, à moitié indien, tous d'une force terrible, mais redoutable d'abord, et qui suivront le héros narrateur, jusqu'à la mort. Et vous voyez là, dans le cercueil qu'il a fait construire, parce que lui seul a la préscience de la mort qui l'attend dans cet au-delà, Kekeg, l'Indien, le sauvage, qui est le seul à avoir compris le secret de la destinée qui l'attend.
construit ce cercueil, représenté ici sous la forme d'une pirogue, qui sera précisément celui qui sauvera la vie du narrateur lorsque tout l'équipage du Pequod sera perdu. Narrateur qui doit évidemment être sauvé pour pouvoir nous raconter son histoire. À l'orée de ce monde, photo des îlots des apôtres que j'ai découverte un matin tôt à bord du Marion Dufresne, avec une sorte, ces îles ont surgi comme une apparition. On entre dans un monde de blancheur annoncé par l'albatros. L'albatros, ici, est d'une manière assez anodine présenté comme un oiseau parmi d'autres sur la plage. L'albatros s'éleva d'une large envergure. Le voilà déjà dans une dimension plus onirique. Tout un vol de grands oiseaux blancs qui dominent la marge du navire et annoncent l'autre monde de blancheur qui se trouve au-delà. Et c'est là que je dois parler de... Brièvement, je ne rentrerai pas dans le détail parce que ça m'amènerait trop loin. The Rime of the Ancient Mariner, le dit du vieux marin de Samuel Coleridge, qui raconte l'histoire d'un marin dont la malédiction est d'avoir tué de son arbalète un albatros. Alors que l'albatros avait sorti le navire des glaces antarctiques dans lesquelles il était perdu. Très long poème, magnifique, vous pouvez lire. Il tue l'albatros et tout l'équipage se retourne contre lui. Ensuite de quoi, l'équipage et tout le bateau se retrouvent dans des eaux plus calmes, sous des températures plus clémentes. Et tous condamnent le matelot qui a tué l'albatros. Ensuite, eh bien, la mort, voyant cela, joue le sort des marins au dé et décime tout l'équipage, sauf le meurtrier de l'albatros, qui, pour sa peine, devra, pendant le reste de son existence, raconter sans cesse son histoire. Où l'on retrouve donc le mythe à la fois de Sisyphe et toute une résonance chrétienne sur le péché et la culpabilité collective. Ce monde, donc, il est fait de quoi ? Voilà, The Rime of the Ancient Mariner. Il est fait de blancheur. Je remets un petit peu les choses en ordre. Il est fait de blancheur. Et ce blanc, eh bien, c'est la toile vierge qui peut porter toutes les histoires. Tout est donc blanc au-delà du sud. Le blanc obsédant, terrifiant de Jules Verne. Le lieu où apparaît le géant blanc dans le dernier chapitre de Poe, dont Jules Verne traduit ainsi les pensées de son personnage. Et peut-être croyait-il voir cette nappe de vapeur zébrée de larges fentes et les hauteurs du ciel épaissies d'impénétrables ténèbres et des éclats lumineux jaillissant des profondeurs laiteuses de la mer et le géant blanc lui montrant la route à travers les gouffres de la cataracte. Le blanc, couleur du vide, dit Lacan, le psychanalyste, qui abolit le sens plus qu'il ne le produit. Et Melville de dire, nous devons alors reconnaître que ce cosmétique mystique auquel sont dues toutes les teintes, c'est-à-dire le grand principe de la lumière, est lui-même à jamais blanc et sans couleur. S'il opérait directement et sans intermédiaire sur la matière, il frapperait tous les objets de sa même uniforme et vacante blancheur. À le bien méditer, le livide univers gît devant nous comme un lépreux. Et tel l'entêté voyageur qui veut en Laponie s'obstiner à ne pas protéger ses yeux de verres colorés et colorants, de même, le malheureux infidèle s'aveugle-t-il soi-même à voir le blanc, le colossal suaire qui enveloppe le paysage autour de lui. Voilà donc le monde définitivement inconnaissable qui se situe au-delà
des dernières terres connaissables que sont précisément les australes qui nous occupent pendant ce colloque. Je termine sur, alors voilà encore la navigation dont je parlais tout à l'heure, de Coleridge, la blancheur vue par Rockwell Kent, et je termine sur deux cartes, parce que les cartes, vous en avez très bien parlé tout à l'heure, donc je ne vais pas revenir sur l'étude de la notion de ce que peuvent être les cartes, mais j'en propose deux qui sont toutes les deux assez singulières, je crois. Celle-ci, c'est celle qu'a dessinée Jules Verne pour l'île mystérieuse. C'est une île à laquelle il donne corps par un dessin, une île imaginaire, mais à laquelle il communique une certaine réalité. Il paraît que les endroits vrais ne sont jamais sur les cartes, dit Melville, mais les endroits réels, eux, y sont, et les cartes, pour qui veut bien les regarder, disent bien plus que les géographies. D'ailleurs, dans Le miroir de la mer, Conrad dit qu'en regardant aujourd'hui encore une carte, au moment où, dans son présent, au moment où il parle, il ressent les vents de la tempête qu'il a connus entre Amsterdam et Kerguelen. Dans le monde d'aujourd'hui n'existe que ce qui est cartographié. C'est pourquoi Jules Verne donne corps en le dessinant à son île. Il fait tenir une fiction pour la réalité. Les cartes qui donnent à voir la géographie invitent aussi notre imaginaire. Qui n'a jamais rêvé devant une carte? Et encore plus devant la carte d'une île. Alors, j'ai demandé à une jeune artiste de La Rochelle, qui s'appelle Marine Le Breton, de dessiner cette carte que j'ai reçue il y a 15 jours à peu près, qu'elle a dessiné pour la circonstance de Kerguelen. Elle a consacré tout son art aux cartes qu'elle dessine, mais avec, à partir de vraies cartes, mais dont le bleu mystérieux de cette épreuve originale, 60 sur 60 en réalité, donne avec le tremblement de la main, et son bleu donne à voir le sens de tout ce que les noms des îles peuvent receler dans leur toponymie. Le lac sans nom, les monts Jules Verne, la rivière Moby Dick, le lac perdu qui se déverse dans le fleuve Styx, non loin du sommet de l'au-delà, autant de noms empruntés en l'occurrence à Crozet, à l'île de la Possession. C'est cet au-delà, justement, que poursuivent inlassablement écrivains et visiteurs du Grand Sud, que se livrent au plus près dans les cartes, point d'appui idéal pour l'envol de l'imaginaire. Et il arrive alors qu'on entrevoit, dans la blancheur éblouissante, le fil qui unit tout au bord du monde, les îles et l'océan, le sphinx et la tête de Moby Dick. Alors, je remercie les îles, pour ce qu'elles m'ont fait connaître, les TAF, qui en prennent grand soin, les archives, qui contribuent à les faire connaître, et vous, Monsieur Lebert, et puis vous, pour être venu ce matin. Merci. Merci Daniel Bayon pour ce tour d'horizon qui nous a amené très loin et au-delà même finalement des frontières terrestres ou sensibles. Alors je ne vais pas reprendre tout ce que vous avez dit, je voudrais surtout vous faire la transition. Vous avez évoqué en particulier cette langue de l'ailleurs, cette Outlandish, dont la version francophone est sans doute, ou un mode francophone est sans doute le tafien, ce qui nous donne une transition parfaite avec l'intervention qui va être en visio de Laurent Bénard. Laurent Bénard illustre également ce que vous avez dit, et nous sommes d'accord là-dessus, sur le pouvoir d'attraction de ces territoires blancs, ces territoires lointains,
quelle qu'en soit la position géographique, puisque Laurent Bénard est ingénieur, spécialisé dans les territoires polaires et toutes les contraintes logistiques qu'il pose, et un petit peu à la manière des Français du XVIIIe siècle, il a d'abord regardé du côté de l'ex-Nouvelle-France, Saint-Pierre-et-Miquelon, le Québec, avant d'aller tout à fait dans l'autre hémisphère, puisqu'il a été chef de district au Crozet. Et donc c'est à la fois cette expérience de solitude, un des termes que vous avez employé effectivement, dont il va nous faire part, et puis quelque chose qui est à la fois une expression de cette solitude, mais aussi un remède peut-être, eh bien c'est les mots, là encore, nous retrouvons les mots, et en particulier la singularité de ces mots du tafien. C'est tout cela qu'il va nous évoquer, et donc je lui laisse avec grand plaisir la parole. Oui, bonjour à toutes et tous. Bonjour Monsieur Bénard, alors un petit instant le temps que la régie, voilà parfait, vous êtes désormais visible sur l'écran et normalement si vous partagez votre écran, on pourra suivre votre diaporama si vous en avez un ou tous les supports que vous aurez préparés. Je vous laisse la parole. Alors voilà, bonjour à toutes et tous, est-ce que vous m'entendez bien ? C'est parfait, et on voit vos images aussi, donc tout va bien. Merci. Alors, merci à Bruno Fulini, puis également à Daniel Bayon. Avant, on ne s'est pas concerté, on ne se connaît pas, donc, mais je vous écoutais avec grande attention, et puis je me disais, sans qu'on se soit concerté, mon intervention va venir, je le pense, bien compléter ce qui vient d'être présenté précédemment. Alors, si on parle du parler tafien, du langage tafien, des mots qui sont utilisés dans les taf, pour commencer, je vais peut-être débuter en rappelant, on en a parlé un peu tantôt, de l'Arche des Kerguelen de Jean-Paul Kaufmann. Lorsque Jean-Paul Kaufmann arrive au Kerguelen, et puis je vais commencer à utiliser un petit peu des termes tafiens, si pour celles et ceux qui l'ont vécu, hein, on arrive avec le Marion dans le golfe du Morbihan avant de débarquer à Port-au-Français, soit par hélicoptère, mais là, en l'occurrence c'était avec le Chaland. Jean-Paul Kaufmann, il entend les opérations qui se font avec les échanges radio là, alors ces petites radios portatives là qu'on appelle des EZ, hein, premier terme tafien. Il entend sur les ondes un terme qui revient souvent, c'est le disquaire. Il s'interroge un peu sur ce terme, et puis le Chaland approche, il débarque à Port-au-Français, sur le quai de Paf, et puis il se dit, voyons, il y a beaucoup de choses qui se concentrent autour du disquaire, et il se dit, mais comment ça se fait qu'à Port-au-Français, il y a un personnage si important qui est chargé de passer des disques là, est-ce qu'il y a une discothèque, une collection de disques particulière, il est avec son tourne-disque et puis il en fait profiter à la mission. Pourquoi ce personnage clé de disquaire est-il si présent pendant les opérations? Puis quand arrive le moment des présentations, ben là il comprend, là il s'agit pas d'un disquaire au sens des disques là, mais du disquaire D-I-S-K-E-R, donc le chef de district de Kerguelen. Alors là on a un premier mot tafien qui est quasi officiel là, mais pas tant que ça finalement, hein. Ce qui est vraiment officiel, c'est ce qu'on retrouve notamment, puis on en a longuement parlé là sur les cartes des cartes terrestres, notamment les cartes de l'IGN des TAF, des îles australes, où effectivement qui sont des invitations, qui sont des véritables livres, hein. Lorsqu'on les parcourt, c'est comme ouvrir un livre. C'est l'aventure, c'est du mystère également, mais on y retrouve sur ces cartes des termes officiels qui sont répertoriés, notamment dans la toponymie des terres australes et parmi les livres de Gracier de Lépine, là, les livres, le recueil, là, il y en a un qui est vraiment particulier à ce type, qui est vraiment une bible, une référence, c'est cette toponymie. Et moi, j'aime, là, ce qui est intéressant, c'est j'aime toujours. Bon, la plus riche, c'est celle des Kerguelen, hein, elle est impressionnante, hein, la carte des îles des Kerguelen. Ben, j'aime regarder la carte et en même temps avoir la toponymie à côté pour voir l'explication des mots. Et puis c'est à chaque fois une invitation au voyage. Et puis
à nouveau, là, on les voit maintenant, on en parlait tout à l'heure. Hein, alors volontairement, j'ai mis, parce que c'est un petit peu moins connu, j'ai mis une carte, un extrait de la carte de la possession à Crozet. Ben, vous le voyez, on en parlait tantôt. Voilà l'au-delà là, qui se trouve dans cette partie un peu sud de l'île de la possession, donc un site assez isolé. On retrouve ici la rivière Malpassée, qui porte bien son nom pour quand on la franchit. On a parlé tantôt du Styx, qui est pas loin également. Et là, vous voyez ici, il y a l'arête des Djinns. Les Djinns, qu'est-ce que c'est que ça? La première fois que j'ai vu ça. Et puis, en fait, quand on regarde dans le recueil de Gracier de Lépine, ben, les Djinns, c'est au-delà de ces bons ou mauvais génies, là, de ces êtres surnaturels. En fait, c'est assez surprenant. C'était le nom de l'hélicoptère, hein, du type d'hélicoptère qui a été utilisé pour faire la première reconnaissance de l'île de la Possession en 1957. La mission du colonel Gentil. Et là, on arrive, on se rapproche hein, dans la partie droite de la carte. Là, on voit Port Alfred. Alors, Port Alfred, ben oui, c'est une référence à Alfred Fort, hein, le premier chef de mission, 61-62, sur l'île de la Possession. Et Alfred, c'est également, hein, puis, à nouveau, le recueil nous l'apprend, c'est également le surnom un peu affectueux donné par les missions aux manchots. Alors là, ici, c'est des manchots royaux à Crozet. Alors là, on a parlé des termes officiels hein, qui sont vraiment inventoriés, mais la particularité des mots qu'on rencontre dans les TAF, c'est qu'il existe également des mots finalement qui sont pas répertoriés officiellement ou plutôt plus officieusement, soit sur les consignes des bases qui se transmettent de mission en mission. Hein, donc, grande particularité, hein, territoire... où il n'y a pas de population permanente et finalement c'est des équipes qui se succèdent. Alors il faut transmettre à chaque fois la connaissance du territoire pour l'équipe suivante. Et il y en a d'autres. Alors ça c'est encore plus particulier. On va en voir tantôt ensemble. C'est des mots qui se transmettent par la tradition orale d'une mission à l'autre. Alors ici à l'écran là ce sont des panneaux indicateurs. Alors là nous sommes plus dans les TAF. Là c'est pour le coup c'est la toponymie officielle des panneaux indicateurs qui sont mis par les hivernants pour se rappeler un lieu qui leur est cher, un village, une ville d'où ils viennent en France métropolitaine ou ailleurs outre-mer. Mais si on parle des termes plus locaux, donc vraiment des mots tafiens, ben voilà, hein, c'est on le sait, hein, la route 66, c'est pas elle est pas dans l'ouest des États-Unis, mais elle est bien au Kerguelen. On en a la preuve à l'écran ici. Et à Crozet, on va à l'île de la Possession, par exemple, on va au jardin japonais, on va à la MAE. Qu'est-ce que c'est que la MAE? Ben, c'est la mare aux éléphants. Et pour rejoindre ces sites, qui sont pas faciles d'accès, ben, on emprunte depuis la base le chemin du Dahu. Alors le chemin du Dahu, c'est le long des montagnes de Crozet, dans un terrain difficile de scories, là. Presque un chemin de croix à parcourir avant de franchir différents cols, là, qu'on baptise par leur altitude, le 390, le 600, etc. Et c'est un chemin, effectivement, où on risque de croiser cet animal qu'on retrouve peut-être dans certaines campagnes de France, dans les Pyrénées, dans les Vosges, dans les Alpes. Cet animal à quatre pattes avec deux pattes gauches qui sont plus courtes que ces deux pattes droites, là, qui lui permet d'être en bon équilibre sur ses pentes. Et voilà, on peut également le retrouver à Crozet. Alors, les termes tafiens, moi je me souviens, là, j'ai mis un extrait, il y avait un article qui est paru en août 2008 dans le Canard enchaîné, alors avec l'éditorial du Canard, hein, vraiment sous l'angle humoristique, mais c'était déjà une belle approche là, du parler tafien. Et puis dans cet article, je me souviens déjà, il y avait une ébauche de lexique, là, j'avais trouvé ça intéressant, là, comme un petit dictionnaire, où on disait, tiens, tel terme, qu'est-ce qu'il signifie, qu'est-ce qu'il veut dire dans les TAF, ça commençait à démontrer un peu la richesse du territoire. Et lorsque je suis arrivé, en ce qui me concerne au TAF, donc, pour ma première affectation à Crozet, en 2005, bah, déjà, à bord du Marion Dufresne, là, ça commence comme ça, comme je le disais précédemment, on entend beaucoup d'expressions là, d'échanges. Puis je comprenais pas tout là. Je me dis ah, yeah, c'est vraiment presque un nouveau langage pour moi. Donc au fil de ma mission, puis après lorsque je travaillais au siège d'État, là j'ai au fil du temps parce que ça m'intéressait là. Puis comme d'autres collègues l'ont fait là, commencé à bâtir
sous forme d'un tableau. Là, on en voit un extrait. J'ai voulu me faire une sorte de lexique là, des principaux termes que j'ai rencontrés, puis que c'est intéressant après de pouvoir le partager à nouveau pour les nouveaux arrivants. Et puis j'aimais bien le classer par domaine, là, retrouver les termes qui sont plus liés à l'administration des TAF, ceux qui sont plus liés à la logistique, à la pêche, à la médecine. Bref, c'est très riche là. Il y a vraiment tout un éventail de sujets qui sont très variés abordés dans les TAF et effectivement qui génèrent un nombre assez conséquent de mots tafiens. On pourrait les appeler comme ça. Alors, je précise hein, que j'ai préparé, puis volontairement, j'ai pas voulu la changer. J'ai préparé mon intervention pour 2020, pour le colloque de mémoire, je crois, à la fin 2020, puis il s'est passé ce qu'on a lancé, donc ça a été reporté. Donc, volontairement, là, je sais que depuis Bruno Fulini a fait paraître l'argot des manchots, puis comme c'était juste au début de cette année, là, je me dis non, je vais pas le lire. Là, je vais attendre la fin du colloque, là, parce que je voulais pas être influencé par l'ouvrage de Bruno. Donc voilà, là, ce que je vous rapporte, c'est un peu mon vécu d'ancien détail. Alors là, on va le voir ensemble, là, rapidement. Là, j'ai écrit une scène qui se déroule à Kerguelen, sur la base de Port-au-Français, où il y a un jeune scientifique sur la base qui croise le disquaire, alors maintenant on le connaît, le disquaire, et qui l'interroge en lui demandant « Est-ce que tu as vu le génère ?» Alors, qui c'est le génère ? Le génère, c'est un volontaire civil à l'aide technique, généralement, hein, de l'Institut polaire, qui est présent sur base, et qui est chargé, le génère, d'assurer la coordination logistique de l'ensemble des activités scientifiques de ses collègues. Donc, c'est un personnage clé pour l'équipe de scientifiques. Donc, voilà, il a sa recherche, là. Et le chef de district de répondre, il est parti en manip. Alors, qu'est-ce que c'est une manip ? Une manip, c'est une sortie hors base, généralement pour des raisons professionnelles, pour aller faire des relevés de terrain. Et il est en route avec le gros ventre. Alors, le gros ventre, là, ça nous ramène à l'histoire de la découverte des Kerguelen, hein, 1772. Donc là, le gros ventre, à l'époque, je pense que ça l'est encore, peut-être, c'était une barge de débarquement du Marion Dufresne. On l'utilise notamment dans le golfe du Morbihan. Alors là, le gros ventre, il est parti en direction de l'Arbec de Pégida. Alors, l'Arbec, ça, c'est plus un terme crozetien. Là, il y a des petites nuances entre les différents districts, là, mais c'est un abri, un refuge, hein, une petite cabane très sommaire. Puis là, à Pégida, Pégida, c'est Port Jeanne d'Arc, hein, un petit peu légèrement au sud-ouest du golfe du Morbihan, face à la base de Port-au-Français. En fait, c'est le site de la seule, c'est une grande richesse du territoire, hein, du patrimoine, le site de la seule usine baleinière qui a eu sur notre territoire national. Alors, tu peux le joindre via le BCR. Alors, le BCR, ça en retrouve un terme militaire, là, pour le coup, le Bureau Central Radio, qui fera une vac radio, donc une vacation radio. Alors, c'est là qu'on retrouve nos EZ dont je parlais tout à l'heure, là, les petites radios VHF. Je te laisse, car je dois joindre l'OPEA. Alors, l'OPEA, pour tout le monde qui est monté à bord du Marion, personnage clé, personnage très important, c'est le chargé des opérations des expéditions australes. Hein, souvent, on entend le terme OPEA, mais quand on remonte dans l'histoire des premières opérations logistiques, là, c'est ça, c'est le chargé des opérations, le EA, des expéditions australes, qui est actuellement à Crow. Alors, on devine, hein, on a nos acronymes Crow-Care-AMS, là, hein, donc Crozet, par ordre d'apparition du Marion, de la rotation, en prévision de la prochaine OP, donc opération portuaire du Marion Dufresne à PAF, Port-au-Français. La DZ, autre terme militaire, hein, la drop zone pour l'hélicoptère, devra être prête. On se retrouve ce soir à Totoche. Alors, Totoche, là, on est sur un mot qui vient du créole réunionnais. Totoche, c'est le bar à Kerguelen, le bar, la discothèque, c'est là qu'il y a le billard, le baby-foot, là, dans la Vicom, le bâtiment de vie commune à Kerguelen, à Port-au-Français, pour préparer la midwinter. Alors, midwinter, là, c'est un terme d'origine anglo-saxonne, puis c'est un clin d'œil, là, on est bientôt à la midwinter, là, dans deux semaines à peu près, hein, au solstice d'hiver dans l'hémisphère sud. Donc là, c'est la célébration qui se fait dans la plupart des bases subantarctiques et antarctiques, et probablement un mot d'origine dans les recherches que j'ai pu faire, qui viendrait peut-être des premières missions des équipes de Ernest Shackleton.
Alors voilà, avec ce... maintenant, si vous êtes armé avec un lexique à portée de main, hein, puis je suis sûr que celui de Bruno, il pourra beaucoup aider, là, ben, quand vous embarquez sur le Marion avec le lexique, là, chacun sera à même de bien comprendre ce langage taffien qui est vraiment, je pense, la richesse, puis qui révèle un peu l'esprit des missions, hein, l'esprit des missions qu'on, et notamment la cohésion des équipes, là, qui aiment se parler et partager avec ces termes. Puis au début, on les apprend, puis après, ça devient comme des automatismes. Alors ça, c'était la première partie de ce que je voulais vous partager ce matin. On a parlé du disquaire, hein, donc il a ses homologues, le disquaire, tout naturellement le discro, posé, le disam, c'est Amsterdam, et le dista, en Terra Deli. Alors je dis le, hein, c'est pas souci de facilité, c'est le ou la, hein, le ou la chef de district. Et la particularité du chef de district, alors c'est comme les autres membres de la mission, là, c'est une personne qui s'est portée volontaire pour aller servir dans les TAF. Et une mission dans les TAF, en fait, faut imaginer, vous prenez un groupe d'une, alors, je vais, mission dans l'étaf, l'hivernage, le cœur de la mission, hein, c'est à peu près entre 20 et 30 personnes selon les districts, peut-être un petit peu moins. C'est presque comme si on choisissait des personnes, donc ce sont des personnes qui ne se connaissent pas généralement, sauf coïncidence. Donc imaginez, on prend 20 personnes dans le métro à Paris, là, puis hop, on les projette pendant un an sur un site isolé, loin de tout. Ils vont devoir se débrouiller. Donc, sous cet angle-là, c'est vraiment une expérience, certes, professionnelle. Hein, c'est avant tout, bien sûr, on postule sur un emploi, c'est pour le travail. Mais derrière cela, on imagine de suite, ben oui, là, waouh, quelle expérience humaine, hors norme, dans un environnement d'exception, hein, qui a été beaucoup et merveilleusement présenté encore ce matin, puis les jours précédents au colloque, là, puis constitué de personnes toutes différentes. Je vais vous parler tantôt de la typologie, un petit peu des équipes qui constituent les missions, mais voilà, vous avez des personnes qui ne se connaissent pas, puis qui vont se retrouver dans ce site particulièrement isolé. Et le chef de district, il va être un peu comme un commandant, un capitaine de navire, le seul maître à bord dans un site éloigné de tout. Alors, il est au cœur de la mission. Ça, c'est une photo de ma mission. Il est le chef d'orchestre, on va dire le capitaine d'équipe, hein. On peut utiliser différents termes, hein. Il doit être au sein de son équipe. Là, tantôt, je vous disais, une vingtaine de personnes. On est beaucoup plus, là, puisque c'est durant la campagne d'été, hein. Les personnels sont un petit peu plus, nombreux. Chaque équipe, chaque mission, c'est une des particularités des missions également australes. Et vous les voyez à l'écran, là, vont faire des souvenirs de mission, donc des symboles de chacune de leurs missions, hein, qui sont toutes numérotées. Puis les philatélistes aiment beaucoup ça, là, des tampons philatélie, des tampons opérateurs utilisés pour la philatélie, notamment au moment de Midwinter, dont je parlais tantôt. Le chef de district, en fait, c'est l'autorité sur place. Puis c'est l'autorité par délégation du préfet. Hein, il est le représentant avant tout du préfet, administrateur supérieur du territoire. Il a également la casquette d'officier de police judiciaire, d'officier d'état civil. Alors, ces deux casquettes, hein, et heureusement, il les utilise peu souvent. Hein, c'est rare, hein, s'il produisait vraiment un événement particulier. Mais avant tout, c'est ça son rôle premier, je pense, il est responsable des personnes et des biens. Alors, plusieurs fois, on l'a évoqué, hein, il y a des bilans d'évaluation qui sont faits, dont il va prendre connaissance. Puis ça constitue aussi une richesse de la mémoire du territoire. Mais j'ai envie de dire, son rôle premier, hein, au chef de district, ben voilà, il part avec son équipe pendant un an. Moi, je pense que là, il faut se dire, on arrive tous en bonne santé, motivés et tout. Ben mon rôle, ça va être d'organiser la mission de façon à ce que tout se passe bien et que, dans la mesure du possible, tout le monde rentre en bonne santé physique et mentale et surtout content et heureux de son expérience sur le territoire, de ce qu'il a pu y faire, apprendre à tout point de vue. Alors, le grand défi, hein, pour le chef de district, ça va être, sur le plan professionnel, bien sûr, ça va être les aspects humains de la mission, hein, ça va être de conduire la mission et puis de devoir
possiblement au fil du temps, hein, et c'est ainsi est faite la vie, hein, peut-être gérer ou anticiper et les gérer s'il se produisent des conflits entre les personnes, toujours en ayant à l'esprit la notion d'équité entre chacun des membres de la mission. Alors, les membres de la mission, grosso modo, hein, un petit peu différent en Terra Deli, mais si on reste sur les australes, elles sont composées à peu près d'un tiers de personnel d'origine militaire, qu'on appelle les Partex. On retrouve les trois armées. Ce sont des personnels qui vont plutôt servir dans le domaine des infrastructures, de la logistique, des transmissions et de la production de l'énergie sur Mars. Un autre tiers qui serait les personnels scientifiques, donc des personnels civils, des volontaires civils et également des permanents, hein, de l'Institut polaire et des différents laboratoires du CNRS. Et enfin, le dernier tiers, hein, puis à nouveau, je vous fais ça très, très simple, hein, également des personnels civils qui sont des salariés contractuels, généralement qu'on retrouve dans les infras, personnel de cuisine. Le chef de district peut être également un salarié contractuel. Et puis également, on retrouve sur les sites, sur certains sites, on en parlait hier au colloque, là, des personnels de Météo France, hein, notamment à Kerguelen et en Terra Deli, des personnels du CNES à Kerguelen, parfois des personnels du commissariat à l'énergie atomique, et puis il peut y avoir également d'autres personnels civils qui sont des entreprises qui viennent pour faire des missions ponctuelles de travaux, par exemple, sur les districts. Alors, vous voyez, hein, ces personnes-là, j'insiste là-dessus, hein, c'est vraiment des profils, au-delà de nos personnalités propres, mais des profils les origines très différentes, variées. Alors là, une photo peut-être d'un 14 juillet à Crozet, là, mais vous voyez les différents uniformes, hein, vous reconnaissez les personnels militaires en tenue, les jeunes scientifiques qui ont mis leur tenue pour aller manipuler les manchots, là, leur ciré jaune. Et les personnels de l'infra avec leur veste un petit peu plus hivernale, là. Donc voilà, différentes catégories de personnes qui vivent dans un environnement très particulier. Alors là, nous sommes à Crozet, la base Alfred Fort, le petit village d'Alfred Fort. Mais vous le voyez, hein, tout à l'heure, quand on parlait de paysage austère, ben voilà, hein, pourtant, il fait beau, là, aujourd'hui, sur la possession, mais... c'est ça, c'est un petit peu austère, il n'y a pas beaucoup de végétation. L'image est peut-être un peu trompeuse, hein, quand on est sur le terrain, finalement c'est beaucoup plus joli que ça. Mais voilà, la base avec, c'est une particularité à Alfred Fort, la pyramide au milieu qui est la résidence du chef de district, qui est vraiment au centre, hein, physiquement aussi des équipes à Crozet. Alors le chef de district... En termes de solitude, pourquoi une certaine solitude? Ben, premièrement parce qu'il est l'autorité. Il en faut une seule d'autorité sur base, cela va de soi, hein, c'est le seul représentant du préfet. Et le chef de district, je crois que c'est Claude Bachelard qui m'avait dit ça la première fois qu'on s'était rencontrés. Laurent, le chef de district, c'est le premier levé puis le dernier couché, quoi, hein, quelque part dans sa mission, donc il doit toujours être disponible. Non, c'est une mission, c'est 24/24, 7/7. Mais attention à trouver un bon équilibre, c'est-à-dire être disponible sans être omniprésent. Hein, il faut laisser chaque membre de la mission à droit à son espace de liberté, à son intimité. Ça, c'est évidemment très important. Donc voilà, trouver toujours une présence et une disponibilité constante, mais pas être pressant, de pas être pressant sur les personnes. Alors, ensuite, avoir une gestion individuelle et une gestion équitable. Alors, c'est un peu paradoxal, là, mais c'est pour ça que tout à l'heure, je disais, je présentais un peu la typologie des équipes qui constituent une mission. Ben oui, parce que le chef de district, il va pas s'adresser de la même manière à un militaire qui est aguerri aux missions, qui a l'habitude de partir loin de chez lui, de sa famille pendant de longues durées, dans des contextes assez difficiles. Il ne va pas s'adresser de la même façon aux scientifiques qui est richement diplômé et qui est plutôt jeune, hein, et va vivre une première expérience assez exceptionnelle sur le terrain.
Et puis aussi, de la même manière, au personnel de l'équipe infra, originaire de La Réunion, qui est peut-être à sa 10, 15, 20e mission sur place, donc il connaît parfaitement la base et qui a vraiment l'habitude du territoire, quoi. Ce sont vraiment des personnes très différentes. Alors, il va pas les discuter avec ces personnes, les gérer de la même manière, mais il va devoir veiller à ce que ça soit équitable, toujours pour toute l'équipe, hein, de façon à ce qu'il n'y ait pas une brèche qui se crée. Pourquoi je favoriserais un tel par rapport à tel autre? Là, ça pourrait être un angle de critique de l'équipe vis-à-vis du chef de district. Alors c'est ça, hein, son rôle, ben, à travers ses actions, ça va être d'assurer comme un capitaine d'équipe, là, la cohésion du groupe, la cohésion de l'équipe. Et le piège, entre guillemets, hein, le petit piège, c'est la notion du temps qui s'écoule de manière différente, d'ailleurs, sur les districts que dans la vie normale, à la fois de manière plus lente, mais à la fois de manière plus rapide, difficile à expliquer, là, mais c'est tout ça, c'est un petit peu aussi contradictoire, mais ça va dépendre des périodes de la mission. Mais il devra veiller au fil de temps à ne pas s'isoler, parce que je restais proche de plusieurs collègues chefs de district. Là, j'aimais bien, encore aujourd'hui, toujours échanger avec eux et puis partager nos expériences. Et puis, on peut être tenté, quand la mission est un petit peu difficile, c'est humain, de se replier sur soi-même, parce qu'on peut prendre des coups là ou entendre des rumeurs, donc de vivre un peu plus renfermé à la résidence, de moins voir les équipes et tout. Ça, c'est un risque qu'il faut avoir en tête et qu'il faut savoir atténuer au cours de la mission, pas trop s'écarter du groupe, justement, qui peut prêter ou chercher des fois la critique. Alors voilà, hein, cette mission, elle doit se voir sur la durée, hein, c'est un peu comme une étape, une grande étape du Tour de France, hein, avec ses différents cols à franchir là, et puis sa ligne d'arrivée au bout de l'hivernage là. Faut vraiment l'avoir comme ça, donc en garder sous la pédale, si je peux utiliser l'expression, ne pas se mettre dans le rouge là, hein, toujours essayer de voir sur une certaine constance, de façon à ce que lorsque le navire ravitailleur va revenir nous chercher au bout d'un an, un petit peu plus même, et ben que on sera encore vraiment bien allumé, bien près de son équipe, comme un bon capitaine. Et là, on le voit à l'écran, là, par exemple, un retour à la maison pour les équipes du Mont d'Urville avec l'Astrolabe ancienne version, qui est le long de la piste du Lion. Et puis, j'ai voulu aussi vous partager. Alors là, c'est une image un petit peu plus rare. À droite, là, un site où on va peu souvent, finalement, c'est l'île de Saint-Paul. On reconnaît le cratère. Alors évidemment, hein, le chef de district sur place, il va avoir, comme tout à chacun, par moment des états d'âme. Il va vouloir les partager, hein. Alors, difficile de les partager, ça peut être un petit peu difficile de les partager avec un membre de la mission, parce que c'est un peu comme tout, hein, quand on partage un secret avec quelqu'un, dès lors qu'il est partagé, ben ce n'est plus un secret, quoi. Il peut partir dans tous les sens. Donc, des fois, un bon moyen, et puis c'est assez facile, hein, c'est même, et je pense encore aujourd'hui, plus facile qu'il y a 10-15 ans, communiquer avec ses collègues chefs de district, ça, c'est vraiment important. Puisque finalement le collègue de la base voisine, hein, même si elle est un peu éloignée, il va vivre finalement les mêmes écueils, hein, c'est un petit peu les mêmes histoires qui reviennent là en termes de moments de problématiques de comportement humain là, et puis en se partageant, en discutant, bah ça éclaire, ça va déjà mieux pour pouvoir l'aborder, le gérer sur site là, et puis aussi bien sûr s'appuyer sur les personnels du siège d'État là qui eux sont plus permanents et voient passer les missions et sont à même d'aider, de supporter le chef de district pour gérer une certaine situation. Puis j'ai trouvé intéressant hier aussi, là, moi je me concentrais sur le rôle du chef de district, mais je crois que c'est hier ou avant-hier, Claude Bachelard a également évoqué, hein, et c'est aussi une des particularités, la solitude du médecin, hein, le médecin également, c'est un personnage unique sur la base, et puis lui il a encore plus peut-être que le chef de district de remonter de préoccupations, de soucis des hivernants qui viendraient se confier à lui. Alors quand on prend une relève sur c'est une diapositive un peu ouf, bien remplie là, en fait ça illustre, j'ai voulu illustrer quand on
on prend les choses en main sur le district, là, en tant que chef de district, et comme tous les membres de la mission, finalement, c'est beaucoup de consignes hein, qui sont transmises, puis qui sont bonifiées de mission en mission. On a conservé un peu, puis c'est vraiment adapté au site, un peu comme sur un navire, hein, beaucoup de procédures, un peu comme dans le monde des armées. Là, il faut que tout soit bien calé de façon à ce que lorsque ça se produise, on n'ait pas, si possible, à aller chercher la notice. Là, donc c'est bien d'avoir des fiches. Hein, la plupart du temps, ce sont des fiches ou des tableaux très synthétiques là pour différents sujets qui permettent d'outiller le chef de district dans sa mission. Alors, les mots clés du rôle de chef de district dans cette solitude, eh ben c'est de sa mission, de son rôle, c'est d'assurer finalement la coordination hein, de la mission. Hein, c'est vraiment coordonner les activités du district. Donc cela implique d'être en fait dans la mesure du possible au courant de tout ce qui se passe et de communiquer régulièrement avec les membres de la mission. Hein, si les hivernants s'en souviennent, il y a régulièrement ce qu'on appelle la petite com là au moment des repas hein, puisqu'on est tous ensemble bien sûr au moment des repas donc savoir communiquer puis c'est important hein, c'est de communiquer même quand il ne se passe rien pour éviter la rumeur à nouveau ou des affabulations et puis exemple hein, ben un moment qui est attendu c'est l'escale du Marion quand on est dans les Australes là. On se demande ah, quand est-ce qu'il va arriver puis des fois le planning il peut changer pour différentes raisons là alors même c'est bien de dire chef de district là ben non j'ai pas de nouvelles de l'arrivée précise du Marion dès que j'en aurai je vous en donnerai quoi c'est bien ne serait-ce que de communiquer cette information là pour éviter que les gens commencent à se dire tiens il va arriver au petit matin ou quoi au caisse il vaut mieux dire même quand l'info n'est pas là. Ça c'est une image un petit peu qui arrive pas souvent à creuser, hein. Vous voyez, il y a deux navires face à la baie du Marin, là. Donc, quand on parle de coordination des activités, là, c'était à la fois pendant une OP du Marion. La présence d'un bateau de pêche, c'était à l'époque à la Croix du Sud, là, qui faisait une évacuation sanitaire de l'un de ses membres pêcheurs à bord du navire qui était évacué sur la base. Donc, plusieurs activités, là, à coordonner en même temps. Il se passe toujours quelque chose sur une base. Un autre mot-clé hein, dans l'esprit des missions, c'est vraiment la notion de la prévention. Dans les TAF, on doit savoir prévenir parce que guérir, ça peut être tout de suite vite compliqué. Et la prévention, eh ben, il faut régulièrement la rappeler, en fait, sensibiliser les membres de la mission à cet aspect de prévention, à tout point de vue, hein, prévention d'un site exceptionnel, bien sûr, hein, réserve naturelle, hein, c'est assez extraordinaire, mais prévention aussi avant tout de soi-même, des personnes, parce que finalement vivre là-bas, c'est une vie qui est une fois le bateau parti, puis que la mission se met en place, finalement c'est une vie qui est quand même assez facile. Moi je trouve on a moins de soucis que dans la vie normale. Hein, on n'a pas à aller faire ses courses, aller à l'épicerie, on n'a pas à gérer d'argent, on n'a pas, à tondre la pelouse ou le voisin qui nous casse les pieds, je sais pas quoi là. Pendant un an là, c'est vraiment une parenthèse. On fait son travail. Et à nouveau, c'est tout le monde est passionné par son travail. Et puis on vit ensemble. Là, on a le casse-croûte qui est fourni, on mange très bien. Donc ça peut être assez facile à un moment de se relâcher puis se dire ah finalement. Comme on est bien là, j'en perds un peu ce réflexe que je dois avoir toujours dans ma tête de pouvoir garder à l'esprit que s'il arrive de quoi, ça peut être assez compliqué. Donc c'est ça, le chef de district avec ses collègues là, il doit veiller toujours à rappeler ces notions. Et puis quelques exemples, hein, tout à l'heure je disais partir en manip, et ben le terrain est difficile, hein, notre chemin du Dahu, là, bah, ça peut être assez facile de se faire une entorse à la cheville. Une entorse à la cheville, même à quelques centaines de mètres, puis des fois c'est plus, hein, ça peut être quelques kilomètres de la base. Aïe, aïe, là, c'est quelque chose de très compliqué à gérer. Aller chercher quelqu'un sur le terrain, puis le ramener sur base, on l'a tous fait en étant là-bas, par exemple, des exercices de brancardage, là, ouf, pour l'avoir fait, oui, effectivement, c'est extrêmement compliqué. Alors là, on parle d'une petite entorse à la cheville, c'est pas grave, ça va se régler. Mais si le bobo était un peu plus grave, là tout de suite, voilà, c'est un autre terme. Là, c'est les vassanes.
évacuation sanitaire, ouf, c'est une autre paire de manches. Et parfois même, elle peut être impossible. C'était Vassane. Là, ici, nous sommes à DDU, hein, Dumont-Durville, en Terre Adélie. Ben, pendant l'hivernage, hein, il n'y a pas de moyen d'aller chercher quelqu'un, de sortir de la base. Donc voilà, hein, prévenir. La prévention, c'est aussi tenir compte des conditions de terrain, puis des conditions météo, hein, un petit peu de blizzard, un peu de temps catabatique. Là, sur la base, ben, on sort pas, hein, on reste au chaud et puis on attend que ça se passe. Donc voilà. C'est vraiment très, très formateur pour l'avoir vécu après sur d'autres sites dangereux. Là, l'apprentissage de la prévention, c'est extrêmement important. Puis finalement, en fait, ça sert même dans la vie normale, dans la vie de tous les jours par la suite. Alors voilà, hein, je terminerai en, on est sur l'axe 4, terre rêvée, terre vécue. Je disais tantôt, on parlait de paysage un peu austère. Je sais pas si celui-ci s'en est un. Moi, je le trouve beau, mais c'est caractéristique du type de paysage, la morphologie qu'on retrouve un peu aux îles Kerguelen. Bon, ici, je suis resté sur Crozet, là. On voit un peu ces cascades, hein. Alors là, il fait beau, mais la même cascade avec du vent, là. Tout à l'heure, ça a été évoqué. Bah, c'est les cascades qui remontent, hein, qui éclatent au vent, qui sont, c'est vraiment très, très, très spectaculaire. Un autre symbole que je voulais vous partager, qui n'existe plus, hein, quand on parle de mémoire d'étaffe, là, toujours en étant à la possession à Crozet, c'est le téléphérique de Crozet, qui a été démantelé il y a un petit peu plus d'une dizaine d'années, qui était en fait longtemps un symbole qu'on retrouve également dans la philatélie d'étaffe et qui permettait, pendant les premières missions, jusqu'à ce que la piste entre la base et la baie du Marin soit faite, qui permettait d'acheminer les charges lourdes sur la base Alfred Fort. Très utile également à l'époque avec cette girouette, même si c'est un drapeau qui n'est pas flottant parce que à Crozet avec le vent, il résiste pas longtemps, mais il nous servait de girouette pour voir l'orientation du vent. Et je termine donc avec cette image de l'île d'Amsterdam, là, la belle image avec ses impressionnantes et magnifiques falaises d'Entrecasteaux. Ça peut symboliser un petit peu, alors Entrecasteaux, c'est également l'histoire aussi un peu d'une certaine similitude, en tout cas des terres éloignées qui font rêver, qui font toujours rêver. Alors voilà, je vous remercie beaucoup. Alors merci beaucoup, les applaudissements étaient d'autant plus mérités que, si je suis bien informé, eh bien, Laurent Bénard nous parle du Québec où il est approximativement 5 heures du matin, c'est dire sa motivation, et donc voilà, remerciements redoublés pour sa mobilisation et pour cette expérience. Je veux aussi le remercier d'avoir mentionné l'article paru il y a une dizaine d'années dans le Canard enchaîné sous la signature d'un mystérieux professeur Anatra. Anatra signifiant canard en italien, on peut supposer que c'est un haut fonctionnaire portant un nom italien ou italianisant qui a publié ça sous pseudonyme il y a longtemps. Espérons que depuis, le lexique se soit étoffé. Merci à l'ancien Discro pour parler taffien. Nous allons bientôt faire une pause, mais avant cela, je propose que nous échangions un petit peu pour interroger à la fois, je dirais, voilà, l'homme de lettres et l'homme de la pratique. Mais nous avons vu qu'il y avait des convergences troublantes, étonnantes, et je confirme que nous ne nous connaissions pas. Nous ne nous sommes pas vraiment concertés avant cette table ronde, et c'est étonnant de voir à quel point les thématiques se sont retrouvées dans les trois interventions avec des points de vue à la base tout à fait différents. Donc voilà, nous sommes à votre écoute, et surtout les deux intervenants pour répondre à vos questions. Il y a une première question ici. Merci. Laurent, bonjour. Claude Launay, on a eu l'occasion de voyager ensemble sur le Marion une fois et sur l'Astrolabe une fois. Je voulais dire un petit mot sur ce vocabulaire. Le vocabulaire, c'est aussi pour Monsieur Fuligny, il évolue. Je dirais que c'est une langue vivante. Et je vais prendre deux exemples. Le génère dont on a parlé. Moi, quand j'ai hiverné, le génère, c'était pas du tout ce que c'est là maintenant. C'était celui qui s'occupait du magasin général d'électronique et d'électricité.
Donc, ça a changé. Et un deuxième exemple, les travaux publics sont devenus, donc c'était les TP, on parlait du chef TP, et c'est devenu maintenant l'infrastructure, le chef infra. Voilà. Et je pense que le vocabulaire d'une base à une autre n'est pas forcément exactement le même et n'évolue pas forcément de la même façon. Voilà. Donc ça, c'était une remarque qu'une question. Et puis j'ai une question pour Monsieur Bayon. Quand il a parlé au début de la littérature, vous n'avez pas évoqué la bande dessinée. Donc, je crois qu'il y a eu plusieurs bandes dessinées je pense que ça fait partie aussi de la littérature. Oui, c'est... Merci d'ajouter ça, c'est vrai. Je n'ai pas parlé de la bande dessinée. Il y a les bandes dessinées sur le voyage du Marion, le page, voilà. Il y a aussi sur Tromelin les naufragés de Tromelin. Voilà, de toute façon, vous l'avez noté, hein, la thématique que j'ai retenue, elle était plutôt axée sur les textes romantiques, voilà, qui ouvraient directement sur cet ailleurs. Mais la bande dessinée a toute sa part dans la thématique littéraire. Une remarque au passage, il a été beaucoup parlé de la blancheur, et je pense que le blanc, et surtout le papier blanc, c'est l'ennemi commun de l'écrivain et du dessinateur. Et finalement, on va dompter un peu cette blancheur en la noircissant, soit en dessinant, soit en écrivant. Et pour rebondir aussi sur la remarque qui a été faite, c'est très vrai, c'est un vocabulaire, moi j'ai été frappé de voir à quel point le tafien est évolutif, est une langue effectivement vivante. D'une part, lorsque le premier lexique a été lu par un certain nombre d'entre vous, beaucoup ont remarqué que telle expression qui figurait dans tel livre n'existait plus ou avait effectivement changé de sens, ce qui fait que dans le lexique j'ai mentionné vieux pour qu'il y ait une mémoire de cet emploi, mais en expliquant que les choses avaient évolué. Et le lexique, figurez-vous, et à la grande surprise de l'éditeur, on est déjà à sa troisième édition, et l'édition donc qui est actuellement sous presse comporte déjà des ajouts. Et j'en profite donc pour lancer évidemment un appel à tous ceux qui constateraient l'oubli d'un terme ou l'évolution du sens d'un terme, évidemment, sont appelés à le signaler pour que les différentes éditions à venir de ce lexique soient à peu près à jour. Il ne faut surtout pas que l'existence d'un lexique fige les choses, ce serait dramatique, mais l'existence de dictionnaires de la langue française n'a jamais fixé la langue française pour autant, donc je pense que le lexique doit suivre les usages. D'autres questions? Ce qui veut dire qu'il faut toujours acquérir la dernière édition. Il n'y a pas encore d'abonnement. Bonjour à tous et merci beaucoup pour vos interventions. Ça fait toujours du bien de se comprendre entre tafien. Je pense que tous les gens qui ont eu l'habitude de parler ce langage se sont sentis un petit peu à la maison soudainement en comprenant la phrase de Laurent Bénard. Moi, ma question, elle était pour Monsieur Bayon. En ce qui concerne la littérature, j'ai découvert sur Internet l'existence d'un livre pour la jeunesse publié dans la Bibliothèque Verte qui s'appelle La Rescapée de Kerguelen, d'un auteur, donc c'est M.A., peut-être Marie-Antoinette de Miolis. Et je n'ai pas réussi à trouver d'informations sur cet auteur ou autrice. Et surtout, le livre est extrêmement bien documenté, donc on a l'impression que c'est quelqu'un qui a fait un hivernage dans les années 50 à Kerguelen. Mais voilà, je ne sais pas si vous avez des informations sur cet auteur, mais c'est assez curieux. Voilà. Je ne sais pas si d'autres personnes ont des infos sur cet auteur. Je serais intéressée de savoir qui se cache derrière cette personne. Vous avez trouvé ça dans des archives ou c'est toujours édité? Alors, c'est plus édité, mais on le trouve facilement sur les sites de vente d'occasion. Voilà. D'accord. Je vais noter ça. Vous pouvez nous rappeler l'auteur? Alors c'est M.A., donc peut-être que c'est Marie-Antoinette, mais c'est pas certain. De Miolis, M-I-O-2-L-I-S. Si vous avez des informations, je serais très heureuse. Ah ben c'est intéressant. J'ai un petit peu cherché sur Internet, mais j'ai rien trouvé. Donc. Merci.
Il y a sans doute des découvertes encore à faire, y compris en littérature. Actuellement, je suis plongé dans quelque chose qui est plutôt historique, qui est l'expédition de 1893 avec la prise de possession sous pavillon tricolore. Et j'ai eu la surprise de voir que l'annonce de cette expédition dans la presse des années 1890 avait suscité la publication de deux feuilletons, qui à ma connaissance n'ont jamais été réunis en volume, mais deux feuilletons d'aventure qui ont pour cadre les Kerguelen. Donc voilà, je suis en train d'essayer de retrouver ces textes. Les auteurs sont, je n'ai même plus en tête, c'est des inconnus complets. Vous savez, à l'époque dans la presse, il y avait beaucoup de feuilletons qui étaient faits un peu à la va-vite, ce qui n'empêche pas que ça puisse être tout à fait amusant ou intéressant. Donc il y a peut-être encore des romans à découvrir sur les Kerguelen ou sur d'autres terres australes et antarctiques. Nous avons d'autres questions? Oui. Oui. Alors, une question autant à nos intervenants qu'aux anciens, je pense. Donc la littérature est le bon moment, je pense, pour poser cette question. On a parlé du coup de l'utilisation du tafien dans des récits comme celui de Kaufmann, qui moi du coup était la première fois que j'entendais parler de ce vocabulaire. Je me demandais justement quel rôle a joué la littérature et les archives éventuellement pour les anciens de mission et les personnes sur place dans cette transmission, parce que c'est vrai que ce sont des zones où les gens se croisent mais la cohabitation n'est pas forcément pérenne, et je me demandais justement comment était transmis ce vocabulaire et si la littérature a pu jouer pour ceux qui y sont allés une sorte de début d'apprentissage avant même d'être sur place. Laurent Bénard peut peut-être nous faire part de son expérience pour répondre à cette question. Oui, pour parler de l'Arche des Kerguelen, je me souviens sur base, là, la plupart des membres de la mission, on en avait discuté, l'avaient lu soit avant ou soit l'ont lu sur place. Et en fait, vous le savez, hein, sur chacune des bases, il y a de riches bibliothèques qui sont en fait... qui se bonifie de mission en mission, puisque je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, là, peut-être moins avec les tablettes électroniques, je ne sais pas, mais bon, la plupart des hivernants emmenaient quand même quelques bons livres dans leur valise et puis les laissent sur base une fois partis. Donc, ce qui fait que à chaque fois, il y a de plus en plus de livres sur la base. Et puis, évidemment, il y a une riche de mémoire. Il y avait quand même une riche partie de la bibliothèque qui était consacrée aux ouvrages propres et spécifiques au TAF. Et les passionnés, effectivement, curieux, ont l'occasion, s'ils ne l'ont pas fait avant de partir, durant leur mission, de lire effectivement la littérature tafienne. Et puis, si je reviens encore avec l'Arche des Kerguelen, hein, je me souviens, je crois qu'à un moment, quand il raconte un récit d'une manip à Kerguelen, il dit qu'il était surpris de voir les hivernants qui, au passage d'une rivière, se mettent à genoux et boivent l'eau comme un peu les pionniers de l'Ouest américain là, qui découvraient l'or là, en buvant cette eau. Là, quand on allait en manip, on se rappelait l'image de Jean-Paul Kaufmann. Donc oui, très certainement, la littérature... les récits là de Jules Verne, notamment, dont on a parlé tantôt, sont bien présents sur base et contribuent possiblement à la transmission des mots tafiens. Une dernière question et puis nous ferons la pause. Deux questions. Donc, moi, je m'étonne de l'évolution de l'imaginaire que joue Kerguelen actuellement. J'ai remarqué que dans ces, on va dire, 5-6 dernières années, il y a pléthore de romans policiers qui se passent à Kerguelen, tous plus horribles les uns que les autres, puisqu'on a un livre qui est publié sous pseudonyme, et jusqu'à maintenant je cherche, puisque c'est sous pseudonyme, qui est l'auteur. Il s'est très très bien documenté, il y a des empoisonnements, enfin, et pourquoi est-ce que maintenant cet imaginaire qui autrefois était plutôt ouvert sur l'au-delà est au contraire renfermé sur l'exploitation de l'avidité? Pourquoi cette évolution? Et pourquoi cette évolution uniquement en rapport avec Kerguelen? Pourquoi il n'y a pas de roman policier à l'île de la Possession, à Crozet? Alors, y a-t-il une contamination du roman scandinave sur nos terres australes et antarctiques? Je me tourne vers Daniel Bayon. Je ne connais pas ces romans policiers, mais je serais heureux de les connaître. Si vous pouviez nous en donner la liste...
Oui, bien volontiers. Oui, oui, ça m'intéresse, ça m'intéresse. Vous l'avez vu, j'ai pas trop creusé du côté de la littérature, ni policière, ni d'aventure ou d'espionnage, un petit peu à travers des récits plus anciens, mais je ne suis pas tombé sur les romans policiers dont vous parlez. Peut-être aussi la dimension porte de la mort que vous évoquiez et qui peut conduire vers ce type de récit. Nous avons une autre question. Ah, répond là-bas. Bon. Je vous remercie. En fait, c'est une petite remarque et aussi question, mais qui fait à la fois le lien entre les deux interventions et aussi peut-être aussi avec les deux dimensions, l'imaginaire rêvé et vécu. Et en fait, à travers la première intervention, on voit bien que comment dire. Toute cette importance d'imaginaire rêvé et qui est à la fois un fantasme, mais qui est intériorisé véritablement aussi par les personnes qui vont sur ce terrain-là, et notamment pour la première fois. Et ensuite, on a cet autre monde qui est la réalité vécue. Et là, la deuxième intervention du discro, enfin de l'ancien discro, elle est assez manifeste, où là, c'est la réalité qui nous rattrape, et notamment avec tout ce qui est cette réalité lissée, notamment finalement, c'est pas tellement l'aventure. On a un cuisinier qui nous prépare des bons petits plats. On se soucie pas de ni d'argent ni de papier, etc. Et aussi et de l'autre côté, il y a aussi cette réalité policée, c'est-à-dire extrêmement normée, avec et à juste titre, puisque c'est un terrain à risque, et lorsque le risque advient, là ça peut prendre des mesures conséquentes. Et donc on a cette espèce de tension un peu permanente entre ce qui est rêvé, donc cet imaginaire de l'aventure, voire cet imaginaire guerrier. Moi, j'ai passé donc du temps plus ça entre Castaux, et ça m'avait frappé, de voir que les sous qu'on devait traverser, ça s'appelait le Vietnam. C'est quand même assez fort en termes de référence. Et on parle aussi de beaucoup d'étapes en tant que laboratoire, de beaucoup de choses, des sciences, de beaucoup de choses. Et moi, je trouve que l'ETAF, c'est aussi un super observatoire de contradictions constitutives et de choses assez marquantes qui se jouent et en même temps qui doivent être dépassées. Donc ma question, c'est comment vous appréhendez ces questions de contradictions constitutives qu'abrite l'ETAF ? Merci. Merci beaucoup. Alors sur les aspects, je dirais, paradoxaux des TAF, nous allons beaucoup développer dans l'après-midi, mais votre question effectivement nous montre un petit peu la logique dans laquelle a été construit ce colloque. Est-ce que vous avez quelques précisions à nous donner sur ces contradictions ? Nous avons vu des convergences entre la littérature et l'imaginaire. Il y a aussi effectivement des discordances. Oui, quand on vit sur place, effectivement, vous avez raison. Je crois que l'imaginaire, c'est ce qui amène sur place. D'ailleurs, la plupart des écrivains qui en parlent n'y sont pas allés, sauf Conrad. Donc, ils élaborent à partir d'une construction mentale. Et la vie là-bas a certes les aspects quotidiens, même triviaux, cette simplicité du concret que vous évoquez, mais en même temps, elles perdent jamais leur dimension mythique, je dirais. C'est le lieu où l'imaginaire qui nous mène là-bas se superpose le mieux avec la réalité des lieux. Un peu voyager là-bas ou voyager en regardant une carte, c'est, à mon sens, assez voisin. Laurent Bénard, vous avez été déçu lorsque vous êtes arrivé au Creuset, ou ça correspondait, ou ça augmentait les attentes que vous pouviez avoir par des lectures antérieures ? Alors, je n'ai pas été déçu. En fait, on s'imagine, avant d'y aller, on s'imagine beaucoup de choses. Là, on est vraiment dans l'imaginaire, et puis on en rêve, etc. Puis quand on arrive, finalement, c'est comme un peu comme tout, c'est toujours un petit peu quand même un peu différent à la réalité
de ce qu'on imagine. Mais ça reste, même si c'est différent, ça reste, on est face à quelque chose qui est quand même hors norme, extraordinaire, et qu'on a vu nulle part ailleurs. Et puis, moi, j'ai souvenir, hein, vraiment, ça m'a marqué. Puis, le professeur le citait tout à l'heure, avec les apôtres, je crois, à Crozet. Moi, quand je suis arrivé la première fois, donc c'est un peu le cas de tout le monde, hein, quand on fait une rotation, on commence généralement par Crozet, puis on y arrive au petit matin, le Marion, généralement, va se positionner devant la baie du Marin au matin, de bonne heure, à Crozet. Puis vraiment, moi, quand on arrive à Crozet, et puis que je suis sorti pour voir l'île, là, c'était vraiment, ça m'a marqué, c'était comme une apparition. Ça, c'est vraiment très marquant, là. C'était waouh, quelque chose qui était comme irréel, qui apparaissait devant moi. Là, c'est de ce côté-là, là, ça venait alimenter un peu l'imaginaire et le mythe. Et enfin, des souvenirs que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, hein, moi, je suis jamais, comme beaucoup d'hivernants, je pense, je suis pas encore, je reviendrai pas, je suis pas revenu d'étape. Mais j'ai des images toujours en tête de paysages qui sont tellement beau, hein, mais c'est tout ça, c'est très très subjectif, hein, c'est personnel, mais tellement beau qu'ils paraissent irréels, c'est comme des peintures de tableaux. C'est vraiment des fois on a envie de mettre les mains devant en disant moi je vais toucher la peinture, mais non, c'est vraiment un paysage qui est devant moi là. C'est des sites dont qu'on n'a pas l'habitude, c'est pas des référentiels qu'on a l'habitude de voir dans le monde normal là. C'est très très différent, tout est différent, les couleurs, même les odeurs, l'odeur de l'air, la couleur du ciel, etc. Là, c'est ça. Ça reste donc en aucun cas une déception. Même la réalité était peut-être plus belle que ce que je pouvais imaginer avant. En tout cas, c'est vraiment... Sur les relations entre le réel et l'imaginaire, permettez-moi brièvement une anecdote. Il y a plusieurs années, j'avais publié un livre précédent qui s'appelait « Tour du monde des terres françaises oubliées ». L'idée qu'on pouvait faire le tour de la planète sans jamais quitter la France. Et les TAF n'étaient évidemment pas les seules évoquées, mais elles étaient évidemment évoquées. Et en particulier, le livre démarrait sur une anecdote que j'avais apprise par mon ami Bruno Léandri. C'est que, à l'époque, l'île aux cochons n'était que partiellement cartographiée, car la carte avait été faite à partir de photos satellites, et comme il y a en son centre une présence quasi permanente de nuages, et bien sur la carte on voit nuages. Et donc ça m'avait amusé, et n'ayant jamais mis les pieds évidemment là-bas, et amusé comme Bruno Léandri par cette histoire, j'étais mis à broder sur le fait qu'il y avait sans doute là quelque chose de caché, une civilisation disparue, des vahinées couvertes de peaux de bêtes, enfin n'importe quoi, littéralement n'importe quoi. Évidemment, ça avait amusé la presse, et en faisant la promotion du livre, qui a eu un écho assez inattendu, je me suis retrouvé à évoquer partout donc cette île qui était pas complètement cartographiée par cause des nuages. De média en média, ça a pris des proportions sans doute un peu gênantes pour l'Institut Géographique National. Si jamais cet institut est représenté ici, je lui présente humblement mes excuses, car ça n'était pas à mon intention. Toujours est-il qu'un an plus tard, l'IGN a publié une carte complète de l'île aux cochons, parce qu'il n'était pas supportable d'entendre périodiquement qu'une portion de l'île était restée non cartographiée à cause des nuages. Donc, le représentant de l'IGN s'est exprimé sur la question des nuages, hein, sur les cartes hier qui sont dues aux conditions de la cartographie. Donc, c'est assez amusant de voir que, là encore, une pure vue de l'esprit, par un ricochet, aboutit à un travail réel sur un territoire réel. Et ça marche dans les deux sens, et je crois que toute l'histoire des TAF est là. Je ne veux pas être plus long. Il y avait une question au premier rang qui a été tirée. Oui, juste un petit clin d'œil à Laurent. Bonjour Laurent, c'est Marc. Je pense que tu reconnais ma voix. Et dans ton panorama, tu as juste oublié les GP. Dans le langage tafien, c'est très important. C'est les gérants postaux qui, eux aussi, sont à l'écoute des hivernants. Alors, il n'y a pas que toi, il n'y a pas que le docteur Bachelard et les médecins, mais il y a aussi les GP. Il ne faut pas les oublier. Merci, Laurent. Merci. Avant la pause, monsieur le préfet, un petit mot. Merci beaucoup. Très rapidement. Donc, je voudrais vraiment vous remercier tous de ce magnifique voyage que vous nous avez fait faire ce matin. Une petite mention effectivement à M. Bénard, hein, dont on a vu progressivement le jour se lever à sa fenêtre. Donc, merci à vous d'avoir
participé dès le début de nos échanges depuis Québec. Alors c'est pas une question, c'est plus une réflexion à haute voix ou j'allais dire un appel à idées. Vous avez évoqué, M. Fuigny, les différentes catégories d'écrivains. Et on voit bien que parmi ces catégories, c'est ceux qui ont vécu ces territoires, prennent de plus en plus d'importance. Et maintenant, on n'écrit plus forcément sous une forme papier, on fait des blogs. Donc les districts parlent régulièrement de la vie dans les territoires. Donc ceux qui le veulent peuvent directement aller à la source de l'information. Et donc, puisque la thématique de ce matin, c'est terre rêvée, terre vécue, on voit qu'on a de plus en plus des terres vécues et de moins en moins des terres rêvées. Et alors, pour le préfet administrateur supérieur que je suis à la fois satisfait, parce que faire connaître les TAF, c'est un élément extrêmement important, parce que faire connaître à nos concitoyens que la France est une puissance planétaire, que nous sommes partout, dans cette France du bout du monde, dans cette France australe, et que nous assumons des responsabilités pour l'humanité entière, en termes de protection de ces espaces. C'est important, de manière beaucoup plus terre-à-terre, pour que les TAF soient connus des décideurs, non seulement nos concitoyens mais nos décideurs, parce que derrière c'est le soutien qu'on peut avoir sur nos projets, bien évidemment, y compris les finances qui vont avec. Donc tout ça est extrêmement important, mais à côté de ça, cette notion de terre rêvée reste un élément extrêmement important, l'imaginaire des TAF reste un élément extrêmement important. Nous allons parler, M. Cogès va parler tout à l'heure de la philatélie, ça en fait partie. Mais je pense que plus globalement, il y a ce souci de garder ce caractère de terre rêvée au TAF. Et c'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure, en fait, ce n'était pas une question, plutôt une réflexion à haute voix et un appel. C'est comment faire que, on conserve ce caractère de terre rêvée, notamment vis-à-vis des enfants. Nous avons un partenariat avec l'Académie de la Réunion pour justement que les TAF soient un peu le fil rouge de leurs années de donner un peu de matière ou de rêve à leur enseignement. Il y a des enfants qui ont participé à un concours sur les cartes imaginaires des terres australes à horizon 2100. Un beau concours qui a suscité l'intérêt de 2300 élèves. Voilà. Je suis preneur, en ce qui me concerne, d'idées. Nous avons évoqué aussi, pardonnez-moi, je reviens, David de Souza, dont je salue l'action, à y penser un moment à un prix littéraire des TAF. Mais pour y mettre quoi? Est-ce qu'on parle des TAF? Est-ce que c'est justement une littérature qui parle d'aventure, qui parle d'aventure physique ou d'aventure humaine? Voilà. Donc, encore une fois, c'est plus un appel en disant « moi je suis preneur, par-delà cette notion de visibilité qui est indispensable, que montrer effectivement que les TAF ce sont des terres vécues, eh bien, qu'est-ce qu'on garde encore? Comment susciter toujours le rêve dans ces terres, malgré l'irruption de l'Internet, des réseaux sociaux, des films, des reportages, etc. Voilà. Donc merci à tous, à ceux qui ont présenté, qui nous ont fait rêver ce matin, et merci aux participants à ce colloque d'un concours d'idées, d'idées à nous communiquer autour de cette question de l'imaginaire des TAF. Merci, monsieur le préfet. La pause me paraît le moment rêvé pour aller vers vous et vous proposer tout ce qu'on peut imaginer pour faire connaître les TAF dans leur réalité, mais sans leur faire perdre leur attrait fantasmatique, en quelque sorte. Merci beaucoup. Donc, nous donnons rendez-vous dans un quart d'heure, à peu près. Oui, si possible, il est moins 10, si on pouvait reprendre à midi pile, parce qu'on a déjà un petit peu débordé. Alors, sans regret, parce que c'était absolument passionnant, mais si nous voulons avoir le temps de manger tout à l'heure, je pense qu'il vaudra mieux ne pas prendre trop de temps, si possible. Merci beaucoup à tous. Bonjour monsieur. Moi je voulais vous parler d'un projet de rêve sur les TAF. Je suis en train d'écrire un film extrêmement ambitieux. J'ai retrouvé il y a
à bord du Norseuil, donc ils étaient 14, ils ont fait Madagascar. C'est le directeur de cabinet donc, qui était à ma droite. D'accord, très bien. Donc il s'occupe des questions de communication. Génial. Voilà. Écoutez, est-ce que je peux faire un petit tour avec vous? Bon, donc c'est bon? Oui, donc là je vais...
Bien, je vais vous demander de, s'il vous plaît, de bien vouloir regagner vos places pour que nous puissions respecter les horaires. Merci d'avoir joué le jeu de façon que la pause ne dure pas trop longtemps, même si nous avons beaucoup de choses à nous dire les uns et les autres, on et off. Donc nous poursuivons sur cet axe 4 des terres rêvées, terres vécues, par une table ronde qui va d'abord être une succession de prises de parole et ensuite un échange. Pour ma part, je vous prie de devoir m'excuser. Après avoir lancé cette table ronde, je suis rejoint par mes obligations de l'hémisphère nord et je reviendrai tout à l'heure dans l'après-midi. Mais Gilles Lebert assurera la modération mieux que je ne saurais le faire puisque connaît bien mieux que moi l'architecture générale de ce colloque et toute la logique qui l'organise. Donc, pour cet échange, nous avons une thématique là très très large, de l'archéologie aux archives orales, les sources indirectes entre exploitation et mémoire. Quelles sont ces sources indirectes, quelle exploitation en faire, évidemment quand on s'intéresse à l'histoire, à la mémoire, à la transmission, on est confronté aux sources et ma petite expérience m'a permis de me rendre compte à quel point concernant les TAF, les sources étaient d'abord variées et nombreuses, variées. Au fond, parce qu'on a bien sûr des textes, comme c'est classique, mais aussi des cartes, nous en avons dit quelques mots, et Dieu sait qu'elles nous apprennent des choses. Nous avons des écrits dans la presse, plus nombreux qu'on pourrait l'imaginer, surtout que ce sont souvent des tafiens qui, à un moment ou à un autre, publient dans la presse, c'est vrai aujourd'hui, c'était vrai aussi au XIXe siècle. Et puis, il y a des sources, alors là, plus difficile d'accès, moins connu, qui sont les archives, c'est au fond ce qui nous réunit ici, et puis des traces qui ont pu être laissées. Nous allons parler de graffiti, nous allons parler de cahiers qui se trouvent dans des cabanes, et puis je sens un de mes voisins inquiet, je n'oublierai pas les timbres. Les timbres qui sont aussi une source importante sur l'histoire des TAF depuis ce qu'on appelle les résidences de France hein, pour les initiés jusqu'aux publications les plus récentes et ça a évidemment du sens et lors de la première journée il avait même été évoqué comment un conflit territorial entre l'île Maurice et la France était traduit par deux émissions de timbres pour que chacun des deux pays affirme son intérêt pour Tromelin en l'occurrence. Voilà, et je n'ai sans doute pas fait le tour de ces sources et surtout des exploitations qui peuvent en être faites. Alors je vais d'abord donner la parole à Pierre Couénon, présente pas, président de l'Amicale des missions australes et polaires françaises. Ensuite, Laetitia Théron et Jean-Pascal Cogès. Monsieur Couénon. Merci. Donc, je vais vous parler de l'AMAEPF, la seule association d'anciens de ces terres australes. J'ai intitulé mon propos l'AMAEPF, mémoire des TAF. Et je vais essayer de vous prouver que vraiment l'AMAEPF, c'est vraiment la mémoire des TAF. Pourquoi ? Ben parce que nous l'avons dit au cours de ce colloque, ces territoires ne sont occupés que depuis les années 49, sauf pour l'archipel Crozet, puisqu'il sera occupé un peu plus tard, et puis avec une interruption pour la terre Adélie, entre 53 et 56. Mais donc ces territoires, et les bases en particulier de chaque district, sont occupés de façon permanente depuis ces années-là, mais avec des personnels non permanents. Ils sont passagers. Et tous ces passagers, ces missions d'hivernage, ces missions, ces campagnards d'été, comme on les appelle, eh bien sont la mémoire vive de l'histoire des TAF, et elles font, ces gens-là font l'histoire des TAF. Or, la MAEPF regroupe, essaye de capter tous ces anciens qui se sont succédés dans ces districts pour conserver, si vous voulez, à partir d'eux, la mémoire et la diffuser. C'est une de nos missions, évidemment, du but de l'amicale. Alors, cette amicale, elle a été créée en 1976
à l'initiative d'un groupe d'hivernants sous la houlette de Bernard Dubois de la Vigerie, qui était un technicien scientifique, et qui fut d'ailleurs le premier président de l'AMAPOF, à l'époque, Amicale des missions australes et polaires françaises. Et en 2012, cette association, à l'initiative de son président, qui était à l'époque le professeur Hureau du Muséum d'histoire naturelle, et également à l'initiative du président de l'AAEPF, l'Amicale des anciens des expéditions polaires françaises, Claude Bachelard, ici présent, ces deux présidents constataient que, effectivement, les buts poursuivis par les deux associations étaient quasiment identiques et qu'il y avait une grande porosité, si vous voulez, entre les deux associations, puisque vous aviez des personnels qui avaient fait à la fois la Terre Adélie, Kerguelen ou Crozet, et donc proposèrent la fusion des deux associations. C'est ce qui se fit en 2012, et la nouvelle association conserva, je dirais, la même appellation, Amicale des missions australes et polaires françaises, mais avec un acronyme un petit peu différent, AMAEPF. Voilà. Alors notre association, pour faire vite, parce que ce n'est pas tellement notre sujet, compte 500 à 600 membres. Autrefois, l'AMAPOF est monté jusqu'à 800. On peut penser que cette baisse des effectifs est avant tout due à une baisse des effectifs dans les différentes missions. Il est certain que dans les années 60-70, les missions étaient beaucoup plus nombreux, enfin les effectifs des missions étaient beaucoup plus nombreux que maintenant. L'AMAEPF accueille depuis 2005 des passionnés du monde polaire sous certaines conditions. Ça enrichit l'association, il n'y a pas de souci, c'est vraiment intéressant pour nous. Ces membres qu'on qualifie d'associés représentent environ 15%. Il faut savoir que l'AMAEPF est totalement indépendante, à savoir qu'elle ne vit qu'avec la cotisation de ses membres et puis les dons de ses membres. Mais par contre, évidemment, elle est en contact permanent avec nos partenaires institutionnels que sont évidemment les TAF, l'administration des TAF, l'IPEV, et puis d'autres organismes comme le Muséum d'histoire naturelle et d'autres associations qui en thématique polaire, les philatélistes, voilà, d'autres associations, je pense par exemple l'association des amis du commandant Charcot, etc. Voilà. Alors, la MAEPF poursuit deux buts. C'est une association, mais c'est plutôt déjà une amicale. Il ne faut pas oublier le terme amical, c'est très important pour nous. Et le premier rôle d'une amicale, évidemment, c'est de maintenir des liens de solidarité, d'amitié entre ses membres. Et à cet effet, nous mettons en liaison nos membres par l'intermédiaire de notre revue que vous avez ici à l'écran. C'est une revue ancienne, mais enfin plus. C'est le numéro 83, on en est au numéro 90 ou 91. Mais aussi un annuaire qui est édité tous les ans, qui permet aux membres d'entrer en contact, de discuter, d'organiser des réunions de mission. Nous organisons des réunions régionales, au moins 3 par an, avec des effectifs, des fois intéressants, de l'ordre de 40-50. Évidemment, nous avons notre Assemblée Générale, qui regroupe à chaque fois 150 personnes environ. Et voilà, nous favorisons également la tenue de réunions de mission. Nous les favorisons, nous les aidons. Bref, nous faisons tout pour, si vous voulez, créer la cohésion, la solidarité entre nos membres. Mais le deuxième but poursuivi par notre association, c'est de promouvoir la connaissance des TAF et plus généralement la connaissance des régions polaires et subpolaires. Et à cet effet, nous menons plusieurs actions afin de faire connaître l'histoire des TAF.
Alors, il s'agit évidemment de recueillir l'information, de la sauvegarder, de sauvegarder cette mémoire, et puis de la diffuser. Alors, nous menons, comme je disais, plusieurs actions. Nous avons commencé, depuis un moment, la réalisation d'un annuaire historique. Ce n'est pas nouveau. Cette initiative a été, je dirais, initiée par Bernard Dubois de la Vigerie, le premier président, qui, dès les années 80, et avec les encouragements de l'administration des TAF, et en particulier de l'administrateur de l'époque qui était l'amiral Pierry, avait décidé de s'attaquer à la réalisation d'un annuaire historique, c'est-à-dire par mission, de pouvoir identifier tous les participants par district, par mission, etc. Voilà. Alors, il avait publié, la MAPOF avait publié en 83 puis en 85 deux annuaires, enfin des annuaires qui énuméraient par district, par mission, comme je dis, les personnels ayant séjourné avec uniquement leur nom, leur prénom et la fonction occupée. Mais très rapidement, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de manques, des erreurs. Et en 2017, on a décidé de reprendre cet annuaire, de le compléter, de le corriger, de l'actualiser jusqu'aux années 2000-2001. Alors, je ne vous cache pas que c'est un énorme travail. C'est un énorme travail de recherche, de compilation, souvent compliqué parce que les sources sont difficilement accessibles pour différentes raisons. Et néanmoins, nous touchons au but. Nous avons publié l'année dernière une version préliminaire, à tirage très limité, destinée à nos membres et à quelques personnes qualifiées pour, corriger, compléter et puis valider les différentes informations de cet annuaire historique. Je vous montre. Voilà une fiche de mission. Hein. Vous voyez que en haut, nous avons les dates d'arrivée, le navire, etc., les dates de départ, et en dessous, les participants à l'hivernage, aux campagnes d'été, etc. Ne figure, comme je disais tout à l'heure, que le nom, le prénom et la fonction occupée. Alors évidemment, de 49 à 2000, ça fait un certain nombre de missions, et cet annuaire de l'ordre de 250 pages environ est assez copieux. Nous verrons après, par la suite, les successeurs verront pour compléter à partir de 2000 jusqu'à 2020, etc. Je peux encore vous montrer, là je vous montre une fiche, une autre là, voilà. Des fois nous mettons des commentaires sur les différents événements qui ont égayé la mission, voilà. Cet annuaire, évidemment, nous avons l'ambition de le publier sous sa forme définitive l'année prochaine, en fin d'année prochaine, compte tenu du statut de notre association. Bien évidemment, il sera réservé à nos membres uniquement, mais sera mis à la disposition des chercheurs, des historiens et autres doctorants qui souvent nous contactent pour avoir des données historiques. Deuxième axe, deuxième initiative, nous publions périodiquement un ouvrage d'environ 500 pages, 120 pages, intitulé, oui, ça va pas chez mieux, intitulé Mémoire à plusieurs voix. Nous en sommes au quatrième tome, le premier datant de 2004, et qui était d'ailleurs sous-titré 50 ans de souvenirs polaires. C'est à la demande de nos membres que nous avons publié ces différents tomes, et qui regroupent tout un tas d'articles que l'on ne sélectionne pas, il n'y a pas de censure, chacun écrit librement. Nos membres écrivent leurs souvenirs, c'est des anecdotes, c'est des réflexions,
sur des événements, sur des fois cocasses, des fois plus tragiques, c'est arrivé. Enfin, vraiment des souvenirs, des anecdotes qui font l'histoire des TAF, qui sont l'histoire des TAF. Et vraiment, cette publication rencontre un très grand succès parmi nos membres. D'ailleurs, nous avons déjà des articles en réserve pour une prochaine, pour un cinquième tome. La MAOPEF également édite périodiquement, on n'en a pas fait beaucoup, mais des DVD. Pardon, ah oui, je ne vous ai pas montré le tome 4 de Mémoire à plusieurs voix. Voilà. Environ 120 pages, 20-25 articles. 20-25 articles avec des auteurs qui, si vous voulez, où il y a toute la diversité des professions parmi nos membres. Hein. Vous voyez, ça va du médecin au mépris, je reprends les termes, hein, au mépris, au GP ou autre. Hein. Voilà, tout le monde y a. Il n'y a qu'une seule catégorie de personnel que nous avons du mal à capter à l'association, et je le regrette beaucoup, ce sont nos amis réunionnais hein, qui assurent le fonctionnement de nos bases, et qui malheureusement enfin viennent pas facilement à nous, mais qui pourraient témoigner de beaucoup d'anecdotes parce qu'eux sont souvent présents depuis longtemps et assistés à beaucoup de choses. Voilà, notre représentant à la Réunion essaie de les contacter pour les faire venir à l'association. Voilà, nous verrons bien. J'évoquais les DVD. Nous avons sorti il y a maintenant en 2016 un DVD Voyage dans le temps et l'espace aux terres australes et antarctiques françaises. C'est un DVD, je dirais, un petit peu généraliste qui a été conçu pour des présentations dans différentes manifestations et puis également pour nos membres, hein, pour leurs familles. Voilà. Tous ces documents, ces DVD, tout ça sont vendus, enfin sont internes à l'association. Nous n'avons pas d'activité commerciale, hein, donc nous ne pourrons pas les diffuser à l'extérieur, les vendre à l'extérieur. Par contre, à la demande, nous pouvons fournir des scans, des copies, sans problème. Alors, autre initiative, le recueil d'archives de nos membres. Alors, que ce soit auprès de nos anciens, de leurs familles ou de leurs descendants, la MAOPEF mène une action qui vise à recueillir, s'ils le souhaitent, hein, bien sûr, les écrits et documents et surtout également les photos qu'ils détiennent afin que tout ce matériel ne disparaisse pas à jamais, comme malheureusement ça a été assez souvent le cas, surtout lors des successions intrafamiliales. Soit nous les recueillons, disons, par donation, soit nous proposons de les copier, de les scanner, afin de les intégrer ultérieurement au fonds numérique Archipol, si les familles souhaitent conserver ces documents. C'est ainsi que nous avons pu recueillir ou sauvegarder les fonds Rolly, Valette, Nougier, et dernièrement Barbarin, et bien d'autres d'ailleurs. Ainsi que des fonds de nos membres. Vous voyez, là, je vous présente un journal d'hivernage assez ancien qui nous a été remis, qui a été remis à la MAOPEF, que nous conservons parmi d'autres, et qui est très, très intéressant. C'est un exemple que j'ai choisi. Vous voyez, au jour le jour, il décrit... Les activités, là par exemple ils attendent le navire commandant Charcot qui doit les relever, vraiment c'est l'histoire, c'est la mémoire là qui est conservée, et c'est vraiment très très intéressant, et je pense que les historiens y trouveront vraiment du grain à moudre. Parmi ces archives qui nous sont reversées, composées essentiellement, il faut bien le dire, de photos, de journaux d'hivernage et également d'échanges de lettres entre des membres et puis le bureau de l'association. Nous recueillons également des archives cinématographiques,
Là encore, je pense au fonds Nougier, au fonds Seba, que nous reversons, c'est assez compliqué, mais enfin, que nous reversons avec l'aide de l'IPEV à la Cinémathèque de Bretagne, qui est chargée de recueillir, enfin de gérer, d'entretenir, de conserver toutes les cassettes et autres films, bobines de films polaires. Voilà. Nous avons reversé effectivement le fonds Nougier qui était important et dernièrement, là, j'ai reçu des montages photos assez intéressants sur les premières années à Kerguelen où l'on voit, où l'on voit des vaches, des poneys, des mulets. Qui pourrait imaginer qu'il y avait à Kerguelen, qu'il y a eu à Kerguelen des vaches, des canards, on voit tous ces animaux, on voit les hivernants en train de faire la moisson d'Asséna pour les nourrir. Enfin, c'est vraiment extraordinaire. Ce sont vraiment des archives intéressantes pour les historiens. Il est certain que toutes ces archives, papier, cinématographiques et même des objets, la MAEPF n'a pas vocation à les conserver. Nous n'avons pas les moyens, à la fois de conservation, les moyens techniques, enfin bon. Tous ces documents et autres seront reversés à terme donc aux archives nationales. Jusqu'ici, la MAPOF puis la MAEPF avaient reversé ces archives au fonds d'archives du Muséum d'Histoire Naturelle, parce que l'ancien président était professeur au Muséum. Maintenant, à la demande de nos membres, nous allons reverser directement aux archives nationales. Nous sommes en discussion avec M. Lebert depuis un moment pour faire une expertise, un inventaire de nos archives. Et ensuite, nous verrons pour une convention de reversement, n'est-ce pas ? Voilà. Parmi ces archives, nous trouvons également des archives antérieures à la période de l'occupation en 49, à partir de l'occupation permanente. En effet, parmi nos membres, nous avons beaucoup de passionnés de l'histoire des TAF, des historiens, et qui font des recherches dans les archives et autres, et qui, pour les besoins de leurs ouvrages, enfin de leurs recherches, contactent des familles, etc. Et souvent, il arrive qu'ils entrent en contact avec des descendants d'anciens qui ont connu ces îles, je pense à Kerguelen, avant la guerre, à la période bossière. C'est ainsi que nous avons pu récupérer des fonds, des archives de la famille, de la famille de Madame André Aubert de la Rue, de Monsieur Bergen de Le Play, qui était le dernier radio sur l'Austral, le navire Austral, le navire Fouquet en 1931, et de bien d'autres. Voilà. Également, parmi nos membres, nous avons des passionnés qui publient énormément, et certains même traduisent. C'est ainsi que la MAEPF a récemment, enfin il y a déjà quelques années, publié. Enfin, un de nos membres a publié la traduction du journal de Joseph Fuller, le fameux baleinier américain. C'est quand même passionnant, son journal, mais également aussi le journal de Nathaniel Taylor à Kerguelen. Voilà, c'est autant de documents qui sont mis à la disposition des historiens et qui sont vraiment très, très intéressants. Il ne faut pas oublier que également nous avons, c'est la MAPOF qui avait retrouvé le journal de mer d'Albert Sérol, hein, dont elle a publié elle-même le manuscrit, voilà, en son temps, dans les années 98. L'original, évidemment, a été remis au TAF, et je crois qu'il est maintenant ici aux archives, n'est-ce pas ? Et il est actuellement visible dans le hall à côté, voilà, de l'exposition.
Voilà. Quelquefois également, la MAEPF a pris, à l'époque c'était la MAPOF, a pris l'initiative de publier elle-même des textes historiques. Je pense par exemple à l'ouvrage paru en 1998 aux éditions de la DIL, « Trois naufrages pour trois îles ». C'est un ouvrage qui est bien connu, que certains d'entre vous connaissent certainement. Voilà. Je terminerai, parce que enfin, je préfère répondre à vos questions, je pense qu'il n'en manquera pas. Je ne voudrais pas comment vous parler du fonctionnement de notre association, ce n'est pas l'objet de notre propos aujourd'hui. Simplement, sachez que nous faisons en sorte de faire adhérer le maximum de personnes à notre association, qu'ils soient anciens, hivernants, campagnards d'été, donc ayant effectué une mission dans les îles australes, mais que nous ouvrons également nos portes à tout passionné de la sphère polaire, en quelque sorte. Hein. Et je vous invite à nous faire connaître, hein, par tous les moyens que vous voulez. Avec l'administration des TAF, elle nous permet, par l'envoi d'un de nos représentants chaque année dans les districts australes, d'envoyer un de nos représentants pour prêcher la bonne parole, expliquer la MAEPF, ce que c'est, les inviter à adhérer plus tard ou le plus tôt possible. Nous avons également à l'IPEV. L'IPEV nous a ouvert un créneau durant le séminaire des hivernants pour présenter notre association. Voilà. N'hésitez pas à la faire connaître, c'est la seule qui existe. Hein, voilà, c'est vraiment la mémoire des TAF avec elle qui est sauvegardée, vous pouvez en être sûr. Voilà, je terminerai en disant que avec nos partenaires institutionnels, la MAEPF est un acteur et un interlocuteur, je dirais, incontournable de l'histoire des TAF et plus généralement de la sauvegarde et de la conservation et de la diffusion de la mémoire polaire et subpolaire. J'ajouterais que ses conseils et son expertise sont souvent recherchés par les historiens, les chercheurs, les réalisateurs de cinéma. Il faut savoir que parmi nos membres, nous avons un réalisateur spécialisé dans le documentaire polaire, Jamel Taï, qui a produit récemment un film intitulé « L'Odyssée Antarctique », vous avez peut-être entendu parler, hein, qui a été réalisé à partir d'images en provenance de nos membres et dans lequel beaucoup de nos membres, certains nous ont quittés malheureusement, beaucoup de nos membres ont témoigné dans ce film. Donc nous sommes très sollicités par tous ces chercheurs, historiens, réalisateurs, sans oublier, comme je disais tout à l'heure, les nombreux doctorants. L'administration des TAF a fait de la MAEPF un partenaire qu'elle sollicite à divers titres dans le domaine patrimonial et toponymique. Elle l'a associé très récemment aux travaux et réflexions qu'elle a conduits au titre du schéma directeur du patrimoine historique des TAF. N'est-ce pas ? Voilà, Laetitia, je vous passe la parole, vous voyez ça. Alors, Laetitia Théron, donc vous êtes titulaire d'une licence en histoire de l'art et en archéologie, un master en histoire, mais surtout au sein des TAF, vous êtes chargée de mission patrimoine. J'imagine que cette mission patrimoine va compléter ce type de sources. On a évoqué en particulier la collecte d'archives privées qui sont conservées dans les familles, mais il y a aussi des sources sur place que vous êtes allé chercher là où on n'imagine pas forcément trouver des écrits. Donc voilà, je vais, comme je vous le disais, devoir m'éclipser. J'écouterai votre témoignage en version enregistrée, mais je suis très heureux de vous donner la parole pour évoquer ce travail de collecte peu banal. Donc merci Bruno Fuligny, merci Pierre Couesnon pour cette transition parfaite. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de pouvoir participer à cette table ronde sur les sources, sur les archives indirectes,
puisque pendant 2 jours, on a découvert les archives conservées dans les institutions, des archives primaires, directes. On a aussi vu qu'il y avait des archives disponibles sur les internets. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler d'archives insolites conservées sur les districts austraux. Donc la première diapo, de toute façon, on va passer vite dessus puisque ça permet de situer où sont les districts austraux. Je pense que tout le monde dans la salle sait les situer. Donc on parlera des archipels Crozet et Kerguelen et des îles Saint-Paul et Amsterdam qui sont desservies par notre magnifique Marion Dufresne. Voilà, donc ces archives-là, elles ont tout un point commun, que ce soit les graffitis de Port-Jeanne d'Arc, les cahiers de cabane laissés dans les refuges ou bien les tableaux de mission, c'est que ce sont des traces laissées volontairement par les personnels de passage sur les districts. Alors on voit sur la photo, hein, on va voyager pendant cette petite intervention entre Port-Jeanne d'Arc, entre les refuges, et nous finirons confortablement dans les lieux de vie commune des bases permanentes. Alors notre première escale, elle nous amène à Port-Jeanne d'Arc, dans l'archipel Kerguelen. Alors on en a déjà parlé, hein, c'est la seule station baleinière sur le sol français. Elle a été construite en 1908 par des Norvégiens qui l'ont aussi exploitée dans le cadre d'une sous-concession accordé par les frères Bossière, je ne vais pas revenir dessus, on en a parlé ces derniers jours. Elle a été abandonnée en 1926, mais même si elle a été abandonnée, bien le lieu a continué d'être fréquenté, même s'il n'était plus utilisé pour traiter de l'huile de baleine ou d'éléphant de mer. Donc il a été utilisé avant la construction des bases permanentes, avant la construction de Port aux Français, mais aussi après. Donc on voit sur la gauche une photo d'un baraquement d'ouvriers qui a été entretenu régulièrement et qui est toujours utilisé comme cabane à Port-Jeanne d'Arc. Et puis sur la droite, une photo qui montre un bâtiment qui est resté dans son jus, qui est la maison du directeur, qui était aussi la coopérative. Et c'est dans ce bâtiment précisément on trouve plus d'une centaine de graffitis qui témoignent de la fréquentation de la station baleinière à la fin de son utilisation, mais aussi jusqu'à récemment. Donc on voit sur la photo en bas à droite des bannettes, voilà, des ouvriers qui ont été utilisés et sur lesquels sont gravés pas mal de graffitis. Donc pour définir le graffiti, je cite un extrait du recueil édité par le Centre des Monuments Nationaux en 2018 sur les murs, Histoire de graffiti. Je vous le recommande si vous vous intéressez au graffiti au titre du patrimoine. Ce sont la trace d'un geste spontané. Ils instaurent un dialogue à travers le temps et l'espace entre le graffiteur du passé et le visiteur d'aujourd'hui, connectant deux histoires humaines et faisant de la trace un témoignage historique qui a beaucoup à raconter. Alors à Port-Jeanne d'Arc, on a fait un relevé en 2020. Il faut savoir que Aubert Delarue avait déjà parlé des graffitis, mais évidemment il y a certains graffitis qu'on n'a pas retrouvés puisqu'ils doivent être dans la cabane qui a été repeinte, la cabane qui est aujourd'hui encore utilisée. Donc on trouve 142 graffitis dans le bâtiment de la maison du directeur et deux graffitis, un graffiti dans la cabane actuelle et un graffiti à l'extérieur. Donc on voit, ils sont écrits à la craie, ils sont gravés sur le mobilier, quelquefois écrits au crayon. Au niveau de la chronologie, ils vont de 1923 à 2007, mais on note une interruption nette en 1998. On verra tout à l'heure, on a peut-être une explication. Ce sont des graffitis assez simples, puisqu'ils se limitent souvent à un nom et une date, mais affirment tout de même à chaque fois l'appartenance à un collectif, que ce soit un navire, une mission, hein, on nomme toujours sa mission par son numéro de mission, on est toujours dans une suite ininterrompue de missions. Et pour les Réunionnais, on en parlait tout à l'heure, eh bien, eux vont signer en précisant leur ville d'origine, ce qui n'est pas le cas des personnels qui viennent du Jura, de Bretagne. Là, on a vraiment pour la communauté réunionnaise des précisions sur la possession, le Chaudron, Saint-Denis, enfin, voilà, on voit apparaître dans ces graffitis leur région d'origine. Alors, je ne vais pas m'étendre, hein, c'est pas un diaporama sur l'analyse de tous ces graffitis, mais on a quand même des dates intéressantes. On a deux graffitis qui datent de 1923, donc qui ont été écrits à l'époque où l'usine était encore en activité. Donc des recherches dans des archives un peu plus directes, notamment dans les sociétés qui exploitaient l'usine à ce moment-là, nous permettraient de connaître voilà, la fonction des personnes qui ont écrit ces graffitis. On a un graffiti sur un tank à huile qui date de 1941, donc
une trace de passage pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, on ne peut pas savoir si c'était des corsaires allemands ou la marine australienne, mais en tout cas, on a une trace sur un tank à huile. Et j'attire votre attention sur une période de 1947 à 1951 qui marque des passages réguliers d'un navire australien, le Labuan. Donc, c'était un bateau de l'Australian National Antarctic Research Expedition. Voilà, je vous remercie pour mon accent, mais vous avez tous compris comme ça. Et donc, on avait des passages réguliers du bateau qui allait aussi se rendre en mission à l'île Heard. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils viennent là avant la construction de port aux Français, mais qu'ils vont aussi être présents, rencontrer les Français quand la construction de la base sera en cours. Et là, ce sont les archives primaires, les archives directes, les courriers, les télégrammes de Pierre Sicot, le chef de la mission, qui sont conservés aux Archives nationales d'outre-mer, qui nous permettent de documenter davantage ces passages qui sont inscrits dans ces graffitis. On a également une publication de Philippe Lowe, qui était le chef de la mission australienne, qui a publié en 1953 dans une revue australienne une illustration de cette mission. On peut voir en bas à droite une photo du bateau en stationnement à Port Jeanne d'Arc, et on y apprend que le site servait de dépôt de carburant pour les bateaux australiens qui passaient dans le secteur, mais aussi on s'arrêtait ici pour faire quelquefois des réparations sur les navires. Je ne vais pas m'attarder davantage. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'en 1998, eh bien, on a un arrêt quasiment brutal des inscriptions, des graffitis dans ces bâtiments. On a un graffiti exceptionnel qui date de 2007, mais c'est vraiment une exception. Et pourquoi 98? On a peut-être une explication. Le premier cahier de cabane connu de Port Jeanne d'Arc, le livre d'or de la cabane, commence en 1998. Donc on aurait peut-être un passage là entre le graffiti et le livre d'or. Alors évidemment, comme dans l'émission, on a beaucoup de personnes qui ont de l'humour. On note qu'on a un graffiti de Poulidor, deuxième mission. Donc là, on sait très bien que les archives directes nous permettent après de vérifier que M. Poulidor n'a pas hiverné à Kerguelen lors de la deuxième mission. Mais voilà. Il n'est pas membre de la MEPF. Il n'est pas membre de la MEPF en plus. Voilà. Mais en tout cas, on a quelquefois des petites blagues. Donc il faut quand même faire attention avec les traces laissées sur les districts. Voilà, donc la transition, évidemment, elle était évidente au niveau des cahiers de cabane, qu'on appelle aussi livres d'or ou cahiers d'arbec, comme le disait Monsieur Bénard tout à l'heure, à Crozet, hein, les cabanes sont plutôt appelées des arbec. Donc on a, dans les TAF, dès la création des bases permanentes, il va y avoir une politique de construction de refuges situés à peu près à une journée de marche les uns des autres, qui permettent au personnel scientifique de faire leur relevé, de faire leurs travaux sur le terrain. Et là, je laisse la parole au cahier pour nous dire à quel point ces cahiers comptent dans les refuges comme passeurs de mémoire, hein, puisqu'on voilà, on le dit, on a toujours un changement de personnel, pas de personnel qui reste en permanence. Et ces cahiers permettent de passer la mémoire entre les missions et ont aussi un rôle finalement de gardien de ces refuges qui ne sont pas toujours habités. Donc deux extraits des cahiers de cabane de Ratmanov. L'émotion me gagne à l'heure où j'ouvre ce document qui survivra, je l'espère, à des générations d'amoureux et d'amoureuses de cette plage magique et ensorcelante. Les vieux cahiers de cabane, tels celui de la Mortadelle, par l'accumulation des souvenirs, des pensées, des observations, des réflexions, restent pour ceux qui suivent un régal d'informations, de plaisirs et d'imaginaires. Donc pour illustrer cette diapo, vous avez sur la gauche l'installation des refuges de Ratmanov qui s'appelle aujourd'hui Estacade, donc qui a bien changé, une photo qu'on trouve sur Archipol. Et puis sur la droite, une photo plus récente des refuges de la Mortadelle, mais puisqu'on en parle, eh bien, ça me permettait d'illustrer cette diapo. Alors, au niveau des cabanes, aujourd'hui, on compte 57 refuges. Je dis cabanes ou refuges, hein, voilà, on parle plutôt de cabanes sur les districts. On compte 57 refuges dans les terres australes. Une grande partie est gérée par l'IPEV, une autre partie par les TAF. Et à quoi ressemblent ces refuges? Vous voyez, ils sont un petit peu tous différents, certains plus âgés les uns que les autres. Vous voyez celui de Morne sur la gauche, et puis à droite celui de Corrigan. Et les cahiers, eh bien, ils ressemblent voilà, à des cahiers d'écoliers, hein, ce sont des cahiers assez simples, sur lesquels on va ajouter un titre et les numéroter si on a une continuité dans les cahiers. Au sein des cabanes, on note qu'il y a souvent un petit emplacement dédié au cahier de cabane. Donc il y a quand même, de la part des hivernants, vraiment une volonté de prendre soin
de ces cahiers. On voit sur la gauche, à Entrecasteaux, il y a une étagère avec écrit « Livre d'or d'Entrecasteaux ». Et puis sur la droite, ça, ce sont les aménagements récents faits par l'IPEV en baie américaine, où ils ont tenu à ajouter un petit portant pour conserver les cahiers et mettre à disposition quelques petits crayons. Voilà. Alors, face à ce constat, hein, quand on se rend pour la première fois en mission sur les districts, on est étonné de la richesse de ces cahiers. On en parle évidemment avec les personnels que l'on rencontre là-bas et on va dire spontanément, des personnels en mission ont tenu à me remettre des numérisations. Donc l'idée est venue en discutant avec ces hivernants et ces campagnards d'été de peut-être de structurer une collecte que l'on a fait en 2020-2021, puisqu'on envoyait sur le terrain une campagnarde d'été d'OP3 à OP1, ce qui nous permettait d'avoir plus de temps pour la collecte. Donc cette collecte, c'était surtout faire un inventaire, de vérifier l'état des cahiers, mais aussi de les numériser. Bon, on va dire, on dit numériser, on les a photographiés pour conserver la mémoire de ces cahiers. Donc cela a été essentiellement fait par la mission patrimoine, donc on avait présenté le projet évidemment en commission du patrimoine historique, et des agents de la réserve naturelle des terres australes françaises aussi ont été formés pour compléter les refuges qui manquaient, qui n'étaient pas encore collectés. Donc cette collecte aujourd'hui, elle nous a permis d'inventorier 103 cahiers et d'en numériser 98. Donc pour Crozet, Amsterdam, l'ensemble des cahiers sont inventoriés et numérisés. Pour Kerguelen, c'est différent, on a des sites isolés, pas forcément accessibles régulièrement. Donc tout ce qui est aujourd'hui accessible est déjà inventorié et numérisé, mais la collecte va évidemment se poursuivre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je vous dis, il y a 103 cahiers, 57 refuges, donc on a certains refuges qui compilent vraiment toute la période, finalement, la vie des hivernants en cabane sur une période complète. C'est le cas de la baie américaine, avec des 13 cahiers qui s'étendent de 1967 à 2022. Entrecasteaux, on a des cahiers qui vont de 1986 à 2022, donc c'est le cas d'autres cabanes. À Mortadelle, le premier cahier commence en 1972. Alors, que nous racontent ces cahiers? Là, c'est pareil, je ne vais pas m'étendre, ce n'est pas une analyse de ce qu'il y a dans les cahiers de cabane, et même on n'a pas eu le temps de faire tout ça, mais c'est important de les sauvegarder parce qu'ils témoignent de la vie quotidienne en refuge, de l'évolution des manips scientifiques. On va avoir au début plutôt des manips autour de la géophysique, de la géologie, puis on voit que la biologie commence à prendre le pas à partir des années 80, la montée en puissance des prises de conscience au niveau de l'environnement. Quelques cahiers témoignent de l'évolution de paysages. On voit aussi l'évolution des aménagements des refuges. On parle dans ces cahiers des mutations des missions, l'arrivée de la mixité, bon, je le disais, les prises de conscience autour de l'environnement. Il y a aussi dans ces cahiers des témoignages sur les événements qui ont marqué la mission. On parlait de l'ascension du Mont Ross hier, et bien l'ascension faite par le groupement militaire de haute montagne, l'ascension du Mont Ross, est inscrite dans le cahier de cabane d'Armor. Même la traversée d'Isabelle Autissier figure aussi dans certains cahiers de cabane. Et évidemment, on en parlait tout à l'heure, ces cahiers de cabane permettent vraiment d'avoir une idée de ce qu'est la culture tafienne. On y retrouve évidemment ce langage et puis des pratiques propres à chaque district, ou même des petites cultures au niveau de la passation, celle du héros polaire, hein, au niveau de la passation, quand on veut tester le nouveau en lui faisant faire une manip un transit de 30 km en botte, alors qu'il n'a jamais marché en botte, évidemment, c'est pour se tester et montrer qu'on est les plus forts. Voilà. Mais évidemment, vous allez me dire, dans ces cahiers, il y a quand même des informations plutôt intimes, les gens pensent laisser ça uniquement en cabane. Donc, et oui, on peut avoir des informations sensibles, on a tendance à dire sur les districts, tout ce qui se passe en cabane reste en cabane. Et donc, quand on a travaillé sur ce projet, on a travaillé avec le service juridique des TAF, justement, pour essayer de voir tout au niveau juridique, ce qui était possible ou non. Et il y a une première chose très importante, c'est la communicabilité de ces archives. On est parti du principe qu'on est dans un lieu public, dans des missions de service public, donc ce sont des archives qui sont publiques. Et donc, le Code du patrimoine, à partir de là, s'y applique, puisqu'il s'applique dans les TAF. Et à partir du moment où il y a des informations qui sont relatives à la vie privée, qui ont quelquefois des jugements de valeur sur une personne physique, des documents qui révèlent le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice, eh bien cela implique évidemment un délai de communicabilité de 50 ans. Donc ça a beaucoup rassuré les districts, puisque
Les gens étaient assez favorables à la numérisation, mais pas à ce qu'on mette les choses sur Archipol. Même des gens qui étaient favorables m'ont dit « Ah non, mais par contre, je ne veux pas savoir que les gens sachent ce que j'ai fait pendant mon hivernage dans telle cabane. » Donc ça, c'est très important. Pour terminer, on voit aussi que dans les cahiers, il y a des œuvres d'art. Donc la question aussi du droit d'auteur s'applique quand on veut peut-être diffuser quelques séquences de cahiers. Donc là, j'ai demandé l'autorisation à l'auteur, donc, qui est le médecin de la 48e mission à Kerguelen, pour montrer... que ces dessins, qu'il y a des dessins, des récits, même des poèmes dans les cahiers de cabane qui sont inspirés par l'environnement des refuges et auxquels qui permettent quelquefois des dialogues entre les nouveaux hivernants et les anciens. Par exemple, les œuvres de ce médecin, Jean-Luc Vercelin, ont vraiment inspiré beaucoup d'autres hivernants après. Donc c'est... Voilà. Mais en tout cas, il y a des précautions à prendre aussi au niveau du droit d'auteur si on veut étudier et diffuser quelques extraits des cahiers de cabane. Alors, j'ai terminé sur la partie cahiers de cabane. J'ai l'espoir, dernièrement, les refuges alpins, les livres d'or de ces refuges ont été mis en lumière grâce à des expositions, des publications. Je vous invite à lire la publication de Françoise Riga sur, qui s'appelle Chronique des hauteurs, qui est parue en 2020 dans la revue L'Alpe, qui s'intéresse au livre d'or des refuges alpins. Et j'espère vraiment que ces histoires-là, ces moments de vie des hivernants, pourront inspirer d'autres recherches qui suivront ce même chemin dans leur patrimonialisation. Pour terminer notre voyage, on va s'installer confortablement dans les fauteuils des lieux de vie commune pour parler des tableaux de mission. Donc les tableaux de mission, c'est vraiment la trace finalement que laisse une mission après elle. La mémoire se perd petit à petit et on ne sait plus vraiment quelle mission a construit quel bâtiment. Mais le tableau de mission permet quand même de faire passer quelques messages. Donc le tableau de mission, au tout début, hein, c'est essentiellement une photographie collective légendée. Avec le nom, la fonction, qui est très importante, des personnels. Et puis, petit à petit, les personnels vont être inspirés et faire de véritables œuvres, qu'on voit quelquefois des dessins avec des photos collées sur ces dessins. Ils sont exposés dans des lieux de vie commune, donc au réfectoire, à Totoche, à Kerguelen, à la Vicom à Crozet, au SCUA à Amsterdam. Et puis l'observation, la découverte des tableaux fait partie aussi du rituel des OP. Quand on débarque pour la première fois sur les districts, on est assez étonné de voir ces œuvres. On ne s'attend pas forcément à une exposition quasiment d'art brut. Quand on connaît des personnes qui ont hiverné, on va les chercher, on va chercher à quoi ils ressemblaient dans les années 80, quand ils étaient chevelus et très barbus. Je vise personne. Et puis, quand on a l'habitude de revenir, eh bien, on cherche toujours le tableau de la mission sortante, qu'est-ce qu'ils ont fait. Voilà, c'est un moment toujours intéressant. Juste une précision, je n'en montre pas dans ce diaporama, mais il existe aussi des tableaux par métier qui sont situés dans d'autres bâtiments. Donc, on va avoir, on parlait de la gérance postale, les GP, le BCR ont leurs tableaux. Les marins ont leur tableau de mission, les VAT, les volontaires au service civique aujourd'hui, font également leur tableau. Donc évidemment, je ne résiste pas à montrer le tableau de mission de la mission de Claude Launay. Donc à la pause déjeuner, on pourra chercher où est Claude Launay, si vous voulez venir voir un peu plus le tableau. Voilà, et puis on voit que les tableaux sont maintenant en trois dimensions. On a un albatros avec les ailes animées, c'est la mission 69 à Kerguelen. À Crozet, un tableau qui s'ouvre avec un CD qui permet d'écouter des témoignages, de voir d'autres photos. Et comme on commence à manquer de place, eh bien, on a aussi des tableaux utiles, donc pour le rangement du billard, quelquefois, des tables basses. Donc on voit qu'on a une richesse vraiment dans la production de ces tableaux de mission. Voilà, donc en ce qui concerne les TAF, donc, un inventaire a été fait en 2018, on compte 141 tableaux. En 2020, à l'occasion du confinement, on a lancé une enquête en ligne pour essayer de recueillir des témoignages pour documenter les tableaux manquants, peut-être savoir si des missions avaient produit ou non des tableaux, si on retrouve des photos de tableaux manquants. Et en 2021, on a profité du passage d'une campagne art d'été qui était assez douée en photo et en retouche d'images pour faire une couverture photo haute définition des tableaux de Kerguelen. Voilà, alors je profite évidemment de cette intervention pour relancer l'enquête sur les tableaux de mission. Donc je remercie toutes les personnes qui ont déjà répondu, qui ont envoyé des photos. Évidemment, si vous ne l'avez pas fait, vous êtes invité sur le site d'ETAF à le faire. Donc c'est très facile, vous allez sur le site d'ETAF, dans la partie mission et activité, gestion du patrimoine historique,
le volet collection et vous avez l'accès à l'enquête. Ben nous, c'est intéressant parce que ça nous permet d'identifier les tableaux manquants, de collecter des photos de ces tableaux. On a appris avec cette enquête que des tableaux étaient incomplets. On a une partie qui n'est plus sur base, par exemple. Et puis, ça nous permet de documenter les circonstances sur la fabrication, les choix artistiques. On se rend compte dans les témoignages que c'est souvent un événement majeur qui a marqué la mission, qui va motiver un choix. On le voit sur les photos en bas, les deux photos à gauche, c'est l'hivernage, le premier hivernage mixte à Kerguelen et à Crozet, donc avec une mise en scène particulière. On souligne la présence de ces femmes en hivernage. La restauration du bâtiment radio-météo à Kerguelen, qui est aujourd'hui la bibliothèque, qui apparaît aussi dans une mission. Et par exemple, à Amsterdam, l'éradication des bovins et la mort du dernier taureau qui est vraiment matérialisé dans un tableau de mission. On note aussi des influences entre les districts. Voilà, quelqu'un a vu une idée sur un district et va l'importer sur un autre. Je parle vraiment des districts austro, mais il faut savoir qu'en Terre Adélie, et Emmanuel Sultan me disait aussi qu'à Concordia, il y a des tableaux de mission aujourd'hui. Donc voilà, on pourrait compléter évidemment ce panel, mais il semblerait que les tableaux en Terre Adélie aient été importés par des gens qui ont hiverné dans les Australes, d'après les témoignages, les quelques témoignages qu'on a pu recueillir. Voilà. Ben, je vous remercie pour votre attention. Ah non, j'avais une petite phrase de fin. Je vais quand même la dire. Notre voyage est terminé. Donc j'espère que ce petit panorama vous aura permis de mesurer le potentiel de ces archives particulières, mais qui donnent la parole aux personnes qui ont séjourné dans les districts et qui permet de mieux connaître leur quotidien. Donc on parlait tout à l'heure avec Pierre Couenon de l'écriture de la stratégie de la gestion du patrimoine d'État, le schéma directeur. Eh bien, son volet archives permettra de structurer davantage ses collectes et les conditions d'accès à ces archives passionnantes. Donc je vous remercie pour votre attention. Merci infiniment Laetitia Théran pour cette intervention qui me touche évidemment particulièrement, notamment pour le respect du code du patrimoine, et puis votre attachement notamment à décortiquer les différentes typologies, voilà, les tableaux de mission généraux, les tableaux de mission par type par catégorie de personnel, etc. Donc voilà, encore de beaux travaux à mener là-dessus pour l'identification. On va passer sans en tarder au troisième intervenant, Jean-Pascal Cogé. Alors si vous pouviez peut-être échanger avec monsieur monsieur Cogé n'a pas de PowerPoint, donc d'accord, comme vous préférez. Donc pour le présenter, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, monsieur Cogé est ancien élève de l'ENA et il est encore à l'heure actuelle au ministère de l'Intérieur, membre de l'inspection générale de l'administration en charge de l'audit de la gestion des fonds européens en France. C'est un philatéliste reconnu depuis 55 ans et spécialisé plus précisément dans la thématique polaire depuis également de nombreuses années. Et il est par ailleurs président depuis 4 ans de l'UFPP SATA, qui est la plus importante association philatélique polaire en France et membre bien entendu de la commission philatélique d'ETAF. Je lui cède la parole sans tarder pour son intervention sur, évidemment, comme vous l'aurez deviné, la philatélie polaire. Merci à vous. Vous avez noté que je suis plus près de la retraite que du début de ma carrière. Avant de commencer, Monsieur Lebert, je vais vous demander si vous pouvez me faire un petit plaisir avec l'autorisation de l'intervenant précédent. Est-ce que vous pouvez me mettre à l'écran et le laisser à l'écran pendant mon intervention, la carte bleue des Kerguelen, la carte imaginaire Alors je vais essayer de retrouver ça. Donc c'était l'intervention de... c'était celle de monsieur... Voilà. Je vous indiquerai tout à l'heure la raison pour laquelle je souhaite que vous puissiez la mettre à l'écran. L'exercice est difficile parce que nous sommes en fin de matinée et on espère tous pouvoir très rapidement se nourrir et reprendre quelques forces, mais j'ai essayé d'intervenir de façon la plus concise possible et je serai amené, je le regrette, à devoir survoler à bien des sujets. Alors je ne vais pas vous parler de l'UFPP SATA et de l'association, je vais vous parler plutôt de la philatélie et surtout du philatéliste et de la communauté des philatélistes qui est quelque chose qui existe aujourd'hui, et merci pour l'affichage, la communauté des philatélistes qui existe au-delà de l'espace, parce que ça concerne la France, mais aussi de l'étranger, j'en parlerai, et aussi au-delà du temps. En introduction, je dirais que moi, j'étais vraiment frappé, ça s'est vérifié depuis le début, et encore ce matin, je pense que ce sera aussi le cas de cet après-midi,
des ponts, des passerelles, des convergences qu'on a sur l'ensemble des sujets. J'avais prévu d'intervenir. Mon intervention sera différente de celle que j'avais prévue, que j'avais préparée. Et je m'étais longtemps interrogé, puisque j'ai eu le temps de le préparer, puis de le repréparer, n'est-ce pas, vu les reports successifs. Je m'étais demandé, je pensais que ce serait, pouvait être intéressant d'utiliser comme support des reproductions de timbres. Mais je me suis dit, je ne vais pas le faire, ça va être trop fastidieux. Il y a au total plus de 1200 émissions de timbres. Donc comment choisir, etc. Et je me suis rendu compte, et comme vous tous, au fil des interventions, que beaucoup de représentations philatéliques ont été utilisées par les différents intervenants. Il y a même été évoqué des sujets qui n'ont pas encore été timbrifiés. Je pense à la japonaise, ce qui a été évoqué hier. Donc en fait, mon intervention, elle va porter sur deux points. Le premier point, c'est un zoom, encore une fois, qui sera quand même un survol sur la philatélie, ce que cela représente. Et puis un deuxième point sur lequel j'insisterai, qui est ce que j'appelle, encore une fois, la communauté des philatélistes. Donc sur le premier point, la philatélie, je vous ai cité le chiffre, plus de 1200 émissions à ce jour depuis le début. Le début, c'est 1956. Deux timbres qui étaient des timbres surchargés. Et puis ensuite, très rapidement, donc des timbres particuliers tournant autour donc des taffes dans toutes leurs dimensions. Alors le timbre, on peut se dire aujourd'hui, donc, dans les années 50, 60, 70, on utilisait beaucoup le timbre, on utilisait beaucoup le courrier, aujourd'hui on l'utilise beaucoup moins. Les moyens technologiques de communication moderne se sont développés, ont irrigué, sont arrivés également jusque dans ces terres lointaines. Et il n'empêche que le courrier demeure un outil et un moyen de communiquer, c'est valable sur le territoire métropolitain, mais c'est valable aussi dans les relations entre les Outre-mer au sens large et les TAF et la métropole. Les courriers, si je fais un petit schéma très général, on a eu au tout début, c'est au 19e siècle, ce que j'appelle les courriers aléatoires. C'est-à-dire les premiers, à l'époque des expéditions, des courriers qui, bien évidemment, n'étaient pas oblitérés par les gérants postaux des bases, puisqu'il n'y avait pas de gérants postaux, il n'y avait pas de base. Et on a très tôt, effectivement, des traces comme ça, qui relèvent à l'évidence des archives, des traces historiques des premiers passages des explorateurs ou des intervenants, que ce soit Fauquier, Baleinier, etc. Mais très vite, on a une dimension qui est apparue, qui est une dimension de souvenir et de collection. Et ça, dès les années 40 ou 49, je me tourne vers Pierre Quenon qui connaît parfaitement ces sujets. On a eu le cas avec les cartes, un certain nombre de cartes postales qui ont été rédigées par Étienne Pau, donc dans les années 20, mais aussi ensuite par Paul-Émile Victor, qui, de ce point de vue-là, a été un grand communicant et a beaucoup utilisé l'outil ou l'arme philatélique. Je préfère outil, c'est moins guerrier, dans le contexte actuel. Mais également, très vite, des souscriptions, je pense à la fameuse aux souscriptions Lafond au pluriel, et très rapidement, effectivement, les collectionneurs et un certain nombre d'associations également ont vu le jour et sont, comment dirais-je, consubstantielles à l'histoire même des TAF. Le courrier, ça a été aussi beaucoup utilisé par les hivernants comme le moyen, un peu comme les cartes postales il y a quelques années ou quelques décennies, où on adressait beaucoup de cartes postales à ses amis, à sa famille, etc. Et c'était le moyen, effectivement, alors à l'occasion des vœux ou pas d'ailleurs, d'adresser des courriers, donc on appelle des courriers personnels, des courriers familiaux. Le courrier était aussi utilisé, je fais référence aussi à Paul-Émile Victor, qui a, dans cette volonté de communiquer, qui a beaucoup, beaucoup écrit et qui écrivait à ses correspondants, à ses partenaires, à ses financeurs. Donc il y avait toute une politique aussi, toute une stratégie, à travers des documents qui sont aujourd'hui recherchés par les philatélistes, notamment des cartes postales avec des dessins illustrés de Paul-Émile Victor, qu'il a signé, enfin voilà, je ne rentre pas dans le détail. Et le courrier est toujours l'actualité aujourd'hui. Il y a toujours une activité intense de ce qu'on appelle la dépêche, avec une activité colis, bien évidemment, mais aussi une activité courrier qui est constituée aujourd'hui, alors je n'ai pas le pourcentage, je l'estime à plus de 90%, qui est un courrier d'origine philatélique. Et le philatéliste, c'est quelqu'un qui est un être un peu particulier, je vais revenir dans un instant. Mais quand j'explique à un de mes voisins j'ai déménagé récemment, je lui explique que je suis philatéliste et je lui explique que plusieurs fois par an, dans une grande enveloppe, je mets des enveloppes avec des timbres un peu bizarres, beaux mais bizarres, que j'envoie à l'autre bout du monde et qui me reviennent agrémentés de cachets et d'un timbre à date plusieurs mois, voire plusieurs années après. Si je me contente de lui expliquer comme ça, bon, il a un doute sur ma santé mentale. Voilà. Je plaisante bien sûr.
Ces plis sont des plis... Alors, vous avez des plis événementiels réalisés par les gérants postaux. Vous avez des demandes des collectionneurs. Vous avez des plis qui sont réalisés à l'occasion d'événements particuliers. La venue d'une personnalité. C'était dans une période assez récente encore, parce que c'était en 2018, la venue d'un président de la République. C'était aux éparses, mais pas dans les territoires. On a de façon plus ancienne, on l'a évoqué, la venue de M. Jacquinot sur les districts, avec des plis qui, effectivement, certains ont été signés, sont l'objet, sont recherchés par les philatélistes. Donc le courrier reste une activité importante, je pense, pour le territoire, à la fois en termes de communication, de renommée, et aussi en termes de ressources financières, mais ça n'est pas le sujet, je ne m'appesantirai pas là-dessus. Mais c'est surtout un moyen, et je m'arrête là parce que j'y reviendrai tout à l'heure, un moyen effectivement de créer du lien entre un certain nombre de personnes. Un petit zoom rapidement, si vous voulez bien, sur le panorama de la philatélie. Je vous ai cité 1200 émissions. On constate, pour faire très court, au fil du temps, une évolution très importante dans les thèmes retenus. On peut noter une montée en puissance considérable, même si on les retrouve dès l'origine, tous les thèmes liés à l'environnement. Alors, au début, c'est la faune et la flore. Et puis un certain nombre d'événements, ce que j'appelle moi les initiatives scientifiques. On a eu l'année géophysique en 1957, l'année du soleil calme en 1963, des tirs de fusées-sondes en 67, la campagne Arax en 75, dont on a vu le diptyque hier. Et ça se poursuit aujourd'hui et demain, puisque nous avons dans le programme 2023, qui est en cours de validation, un timbre sur la station Galileo à Kerguelen, qui a été inaugurée, donc mise en service à la fin de l'année dernière. Vous avez aussi toute la dimension des personnages historiques. Alors, historiques, effectivement, les découvreurs... Les grands polaires, Paul-Émile Victor en tête et bien d'autres, et puis aussi, de façon plus précise au fil du temps, les premières expéditions et un certain nombre de personnages qui ont compté, alors, la plupart d'entre eux, un certain nombre d'entre eux étaient membres des EPF, mais pas tous, qui ont compté dans l'histoire polaire, dans l'histoire des TAF. La dimension paysage est apparue dès 1963, notamment avec un timbre sur Archipel Crozet. Puis on a vu apparaître au fil des années de nouveaux sujets, surtout ce qui concerne les activités humaines, donc la logistique, donc les bateaux, les hélicoptères, les avions, les engins de travail, et même tout récemment, le courrier, c'est-à-dire l'embarquement ou le débarquement de courrier par le Marion Dufresne et l'activité philatélique elle-même. De même, les vestiges historiques n'ont pas été oubliés, comme Port Jeanne d'Arc, comme les campements Fauquier. On pourrait multiplier les exemples. Il y a également il y a eu une politique de mise en place de carnets de voyage en faisant travailler un certain nombre d'artistes extérieurs au TAF. Et on a donc le programme philatélique est élaboré au fil des années, au fil des décennies. Il est élaboré avec le concours d'artistes, parfois même d'artistes de bande dessinée. On en parlait tout à l'heure, je pense, à un artiste qui est décédé au début de l'année, qui s'appelle Jean-Claude Mézières, que vous connaissez sans doute à travers la série qu'il a fait connaître, Valérian. Vous avez donc effectivement beaucoup d'intervenants extérieurs qui sont venus apporter leur concours. On pourrait penser aux ateliers d'ailleurs, on pourrait penser à des timbres qui sont sortis plus récemment en utilisant un certain nombre de techniques innovantes. On a effectivement un programme philatélique qui est d'une grande qualité et qui, à la différence, et ça n'est pas une critique parce que ce sont des orientations différentes, à la différence des timbres émis par d'autres territoires spécifiques qui émettent des timbres sur un territoire donné, je veux parler de l'Antarctique britannique, l'Antarctique australien et la Terre de Ross, donc qui dépendent de la Nouvelle-Zélande, ces territoires-là émettent des timbres qui sont essentiellement tirés de photographies. Donc ce sont des vignettes de qualité, certes, mais qui restent des photographies. Le programme philatélique d'ETAF a cette qualité, aux yeux des philatélistes, de mixer un certain nombre de techniques alors traditionnelles, la gravure bien sûr, la taille douce, mais aussi des techniques plus modernes, avec en mixant d'ailleurs les différentes techniques, ce qui donne un programme beaucoup plus équilibré et beaucoup plus attractif, me semble-t-il, pour les philatélistes. Alors, cette philatélie, alors je vous ai parlé des plis, je vous ai parlé du programme lui-même. Je ne vais pas évoquer, parce que ce n'est pas l'objet, la façon, le processus de conception, d'élaboration,
et de décisions pour sortir ces programmes philatéliques. Je voudrais insister maintenant dans une deuxième partie, qui sera, je pense, un peu plus courte, sur ce que j'appelle la communauté des philatélistes. C'est un peu paraître paradoxal, parce que souvent l'image qu'on a du collectionneur du philatéliste, c'est quelqu'un qui est tout seul dans son coin, qui classe ses timbres, souvent un râleur, souvent quelqu'un qui ne partage pas. Voilà. Enfin bon, c'est une image bien sûr un peu caricaturale, qui n'existe plus. Bon, voilà. Bon. Mais c'est un peu l'image traditionnelle du collectionneur de timbres, boucheur de cases, comme on dit. Et cette, on pourrait dire une sous-espèce, on pourrait appeler ça l'homo philatelicus polarus, une sous-espèce d'une espèce plus large qui est le collectionneur, qui elle-même est incluse dans l'espèce humaine parce que tout être humain est collectionneur. On est tous collectionneurs de quelque chose. On l'a tous été dans notre vie. Bon. Et puis on sait bien que l'être humain, il adore. Il classe, il ordonne, il nomme, il désigne. Voilà. On l'a fait dans le monde des sciences, on l'a fait dans la nature. La nature parfois se venge, elle refuse d'être... voilà. L'homme ne domine pas la nature, mais c'est dans ses gènes. Et cet homo philatelicus polarus, une sorte de croisement un peu hybride entre les obsessions du collectionneur, parce qu'un collectionneur c'est quelqu'un qui est passionné, donc par certains côtés obsessionnel, et puis les passions de l'amateur d'épaule. Alors je dis d'épaule, mais je reviens très vite bien sûr sur le sud et l'Antarctique, parce que les polaires souvent s'intéressent également, dans des proportions d'ailleurs inégales, à ce qui se passe au nord, donc dans l'Arctique, même si l'approche est tout à fait différente. Historiquement, on a toutes les activités françaises au Groenland, et aujourd'hui, comme vous le savez, il n'y a pas de base permanente française, ni même étrangère, je laisse de côté les bases dérivantes, etc., dans l'Arctique, puisque l'Arctique est une mer et non un continent. Et ce croisement donc entre le collectionneur et le passionné, il y a deux façons d'y parvenir, de façon schématique. Vous avez le parcours de l'hivernant, qui soit, lorsqu'il est sur place ou plus tard, a écrit, a découvert les timbres en allant à la gérance postale, etc. Et qui, petit à petit, s'intéresse à ça et continue à cultiver et à entretenir le souvenir de ça ou de ses missions sur place en devenant philatéliste, en s'y intéressant. Puis vous avez un autre profil, qui est plutôt le mien, c'est celui du philatéliste, depuis pas mal d'années, ça a été rappelé tout à l'heure, et qui, à travers les timbres, puis les plis, en adhérant à une association, découvre ce que sont ces territoires, et qui parfois va sur place, ce que j'appelle le Graal du voyage physique, notamment depuis, même si ça remonte à quelques années, depuis la mise en place donc des voyages touristiques à bord du Marion Dufresne, ou d'autres types de voyages à bord de compagnies privées, mais qui découvre pas seulement les timbres, il découvre également les plis, il découvre, on l'a évoqué aussi abondamment ce matin, il découvre l'histoire, les ouvrages, et moi je suis frappé de ce qu'on a évoqué ce matin, et notamment de l'augmentation, me semble-t-il, considérable, des ouvrages. Alors, on a évoqué ce matin les polars, donc, avec effectivement l'attrait de la Scandinavie, de l'Islande, etc., et on retrouve ça maintenant au sud. Mais le nombre d'ouvrages, de bandes dessinées ou autres, qui ont soit se déroulent dans les terres australes, soit ont pour fond, comme décor, les territoires australes, est à mon avis en croissance exponentielle. Alors, le pli, la collection. J'évoquais tout à l'heure, effectivement, les différents usages du pli. La collection de timbres d'étaffes, 1200 émissions, c'est beaucoup. Mais c'est à la portée d'une vie humaine. On peut atteindre ce que j'appelle le nirvana du collectionneur, la complétude. On dit j'ai le territoire complet. Voilà. Ça relève quasi-orgasme, si je puis me permettre cette expression. Voilà. On est content. Alors, c'est valable pour les timbres. C'est plus difficile si on pense à des produits entre guillemets dérivés. Je rentre pas dans le détail. Ils s'appellent les épreuves d'artiste, les épreuves d'État, qui sont des documents qui sont élaborés et disponibles en tirage très limité au moment de la conception des timbres. Mais sur les plis, à l'évidence, ça n'est pas possible. Et même sans évoquer les plis les plus anciens. Mais les plis, c'est une façon de voyager. Alors, soit c'est une preuve de son propre voyage, quand on y est allé, quand on a eu la chance d'y aller, mais c'est aussi une façon de voyager par procuration. Il y a quelque part, on envoie des bouteilles à la mer. Lorsque j'envoie un paquet de plis dans une enveloppe à un GP, c'est une bouteille à la mer, parce que je l'envoie, ça passe par un circuit postal, parfois aléatoire, monsieur de Souza, c'est-à-dire que, bon, quelquefois, on apprend que c'est votre paquet, il n'a pas quitté Roissy, ou il est resté stocké quelque part à Hobart, ou à La Réunion, et le GP ne l'a pas reçu. Enfin, voilà, bon, ce sont les aléas.
Même chose dans l'autre sens, aléa du retour. Mais ces plis permettent d'échanger, pour ne parler même que du pli que j'adresse, ils permettent d'échanger, pour savoir déjà où est passé le pli, mais aussi d'échanger avec les gérants postaux. On a comme ça une vie qui, ma vie personnelle, est rythmée par le calendrier des TAF. Selon les rotations des navires, selon les événements qui s'y passent. Je ne parle même pas des salons philatéliques, etc. C'est encore autre chose. Mais voilà, je suis dans mon bureau philatélique, j'ai une anecdote personnelle, j'ai des piles. Voilà, je sais qu'à telle date, je dois penser à préparer les plis pour la prochaine au Pays du Marion. Et de temps en temps, je suis furieux quand ça m'arrive, je rate. Pour des raisons diverses et variées. Voilà. Et je ne suis pas le seul, je vous rassure, à être ainsi habité. Par ces calendriers et par ce rythme de vie. Ce lien, là, je vous parle de mon expérience personnelle, et c'est individuel, mais ce lien qui se crée avec les intervenants, les interlocuteurs au sein de l'administration d'État, avec les gérants postaux qui ont une connaissance, alors soit théorique, parce qu'on leur a expliqué un petit peu ce que c'était la philatélie, soit parce qu'ils ont déjà été exercé cela, comme GP, ou qui ont déjà hiverné sur les bases, qui découvrent, et on voit, c'est très intéressant de voir au fil des mois, les GP découvrir ce qu'est la philatélie, nouer des liens avec les philatélistes, d'une manière générale, je ne parle pas uniquement de ceux qui sont dans une association, proposer effectivement des produits, se rendre compte quand on réagit sur quelque chose qui n'a pas été fait correctement, ou une erreur, ou un non-respect d'une règle de l'Union postale universelle. Et comme ça, il y a une forme d'enrichissement qui se fait au fil des mois et qui se renouvelle à chaque nouvelle mission, à chaque nouveau GP. Et ce lien que le philatéliste établit, il l'établit aussi à travers des manifestations, des réunions diverses. Alors, s'il appartient à une association, il y a déjà la vie de l'association, mais aussi indépendamment même de cela, avec le concours d'Internet, qui a beaucoup d'inconvénients, mais qui a aussi cet avantage-là de l'immédiateté, de la capacité effectivement à échanger à un niveau planétaire. On a donc comme ça un outil d'évasion et de voyage, encore une fois, par procuration, mais qui est à la fois un voyage imaginaire, mais qui est aussi un voyage réel, parce qu'il est imaginaire parce qu'on n'y vivra pas, mais quand vous recevez ou quand vous regardez sur un blog une photo et que vous voyez la photo de l'astrolabe qui vient d'arriver, c'est quelque chose qui est réel et qui est concret. Et cette capacité d'évasion, cette communauté informelle, elle réunit alors plusieurs milliers de personnes. Je suis bien incapable de la chiffrer. On peut essayer de l'estimer. Le volume du courrier, le nombre de timbres émis. Mais des timbres, il y en a beaucoup qui sont mis dans des cases, comme je disais tout à l'heure, boucheurs de cases. Mais on a sans doute plusieurs milliers de personnes à l'échelle de la planète, beaucoup plus nombreuses que les membres de nos associations philatéliques, on a aussi comme critère le nombre d'abonnés au service philatélique de Périgueux, qui fournit le service philatélique de la Poste, qui fournit les nouveautés. On a comme ça donc plusieurs milliers de personnes de diverses nationalités. On sait que dans le monde anglo-saxon, dans le monde allemand, mais aussi de plus en plus dans le monde asiatique, on a des collectionneurs. Alors, dans le monde anglo-saxon et allemand, c'est notamment lié à l'histoire de ces pays par rapport à la découverte et à l'exploration, surtout pour le monde anglo-saxon. Et dans le monde asiatique, c'est lié à une évolution de notre économie mondiale. On a comme ça ce que j'appelle, moi, quasiment un écosystème national et international qui se met en place. Vous avez des associations, vous avez des marchands, bien sûr, vous avez des ventes sur offre, vous avez des échanges, vous avez des successions qui s'organisent. Alors, c'est parfois compliqué quand vous avez un adhérent qui disparaît, de voir comment, mais on a toujours à cœur de faire en sorte que sa collection, qui correspond à un investissement personnel, pas seulement financier, mais surtout un investissement affectif, qu'elle puisse continuer à vivre dans d'autres collections et continuer à assurer un rôle de transmission de la mémoire. Alors, c'est vrai à travers les revues qu'on a évoquées, c'est vrai à travers des recherches qui sont effectuées. Il y a encore des découvertes à faire. C'est vrai aussi, on l'a évoqué dans le domaine de la littérature. Ce qui fait qu'on a donc un certain nombre de personnes, hommes essentiellement, il y a aussi des femmes, qui ne sont pas les moins mordues d'ailleurs, qui sont quelque part, alors je ne sais pas si je peux utiliser le terme d'ambassadeur d'épaule, parce qu'il est déjà utilisé, mais en tout cas des personnes qui assurent un rôle à la fois de transmission, de mémoire, et qui font parler effectivement des TAF, de ce qu'on y fait, de ce qu'on y a fait, de ce qu'on peut y faire, et qui contribuent. Donc c'est quelque part des habitants, à la fois réel et imaginaire, c'est à la fois proche et lointain. Donc des habitants d'un continent qui n'existe pas matériellement, mais qui, euh,
qui a, à mon sens, une réalité qui n'est pas uniquement virtuelle. Et j'en terminerai donc en disant pourquoi j'ai demandé effectivement que cette carte soit projetée. Parce qu'elle elle est entrée en résonance quand elle a été affichée avec la, je crois que c'est la dernière gravure. Je me tourne vers Marc Bouquet, la dernière gravure, parce qu'il a décidé qu'il n'aurait plus ce type de produit. La dernière gravure qui a été éditée par les TAF et qui reproduit, alors sur un. Alors, c'est une carte, cette fois-ci réelle, non pas imaginaire, et qui reproduit effectivement l'œuvre d'un artiste. Et ce sont de véritables petites œuvres d'art. Au total, il y en a eu, j'ai plus le nombre en tête, mais on dépasse la cinquantaine, on doit être 55-60 gravures au fil des années, et qui effectivement illustrent bien. Alors, soit la gravure, et c'est une gravure tirée sur un papier venin d'arche, etc. Donc, soit effectivement la gravure est neuve, soit elle est oblitérée avec le timbre, mais ce sont des documents qui sont de véritables œuvres d'art et qui... pour ce qui me concerne, sont toutes sur les murs de mon bureau philatélique personnel. Voilà donc ce que je voulais vous dire en vous remerciant. Et vraiment, je ne m'attendais pas, une petite conclusion toute personnelle, je ne m'attendais pas effectivement à un tel colloque et je ne m'attendais pas à ce que la philatélie irrigue autant l'ensemble des travaux. Ce qui est un compliment pour le travail des TAF avec le concours d'un grand nombre de personnes que je... me contente modestement de représenter aujourd'hui, qui s'appelle les philatélistes. Merci. Merci beaucoup Jean-Pascal Cogé pour cette intervention. Je ne savais pas du tout que Jean-Claude Mézières avait fait des timbres sur les TAF. Donc si je suis preneur des références, si vous les avez plus tard. Oui, les années, c'est 2003, 2004, 2005 dans ces eaux-là, et c'est des timbres humoristiques. Les Jeux Olympiques au TAF, par exemple. C'est encore mieux. Voilà. Bon. Mais je vous enverrai les stats, avec plaisir. N'inquiétez pas. Alors, quelques petites annonces pour conclure cette matinée, puisque, bon, là, c'est, comme vous l'avez remarqué, on a quand même un peu débordé. Aussi, on ne va pas faire la séance de questions tout de suite. Je pense qu'on en sera tous contents. Donc, si vous en avez, notez-les. On va faire la pause, on va reprendre à 14h30 comme c'était prévu initialement. Donc la pause sera un peu plus courte que prévu, mais j'espère qu'on aura tout le temps de déjeuner. Donc comme pour les autres jours, les intervenants de la journée n'ont qu'à me rejoindre pour la pause. Pour les autres, toujours les mêmes lieux de restauration juste à côté et ainsi que du côté de la station de métro. Pour cet après-midi, on a une petite inversion des interventions pour permettre à Frédéric Lousse et Hélène Artaud de ne pas partir trop tard en raison d'autres obligations. Donc c'est elles qui vont commencer. Ensuite, on aura l'intervention d'Emmanuel Sultan et Elisa Dupuis. Et ensuite seulement, on aura une longue séance de questions, donc à la fois sur la table ronde qui vient de se dérouler, et sur les interventions de l'après-midi. Alors, sachant qu'on avait prévu large pour l'après-midi, donc normalement, il devrait y avoir tout le temps. Hein. Ensuite, mot de clôture, et nous devrions finir dans les temps, aux alentours de 16h45. Et après 16h45, je rappelle encore une fois, à toutes fins utiles, qu'il y a une visite qui aura lieu du bâtiment que j'organiserai de 17h à 18h et il reste encore largement des places, donc si vous n'êtes pas inscrit, n'hésitez pas à me le faire savoir, il y a encore tout à fait la possibilité de la suivre. Merci beaucoup, je ne vous retiens pas plus longtemps, bon appétit et à tout à l'heure. La carte a éveillé quelque intérêt, ce dont je me réjouis. Je veux préciser qu'il s'agit d'une, je l'ai dit, d'une jeune artiste de La Rochelle, qui a fait cette carte spécialement pour ce...